Et bonsoir, bonjour YouTube. Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Ok. Alors, je pense pas qu'il soit nécessaire de refaire le petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, ou dans le précédent scénario qui a quand même été assez long. Il faudra juste m'expliquer ce que vous avez fait depuis votre entreprise de communauté. Sachant que là, donc, on va jouer en l'an 2955 du troisième âge et vers le début de l'automne, à peu près. Sachant que vous aviez dû atteindre les collines noires, c'était vers le printemps, le tout début du printemps. Et ensuite, plusieurs d'entre vous étaient allés à Foncombe, ce qui faisait encore un bon voyage. Donc, il s'est passé pas mal de temps depuis. Et voilà, il faudra me dire ce que vous avez fait entre-temps. Alors, juste une petite précision, je l'avais déjà signifié la fois précédente. L'hiver que vous venez de vivre a été un des plus rudes de l'histoire de la Terre du Milieu. Ça remonte vraiment à des siècles, quelque chose d'aussi difficile. Ça a eu un impact écologique et économique conséquent. Les récoltes ont été très mauvaises un peu partout dans la Terre du Milieu. On est passé à deux doigts de grosses famines dans certaines régions. Et vous avez appris que même à distance, ça a été ressenti. Par exemple, la récolte dans le Darwinion a été catastrophique, ce qui pose des gros problèmes économiques dans la région par rapport au commerce du vin, notamment, ce genre de choses. Donc tout ça a été considérablement affecté par cet hiver très rigoureux. Mais voilà, le printemps est revenu et la saison a été relativement normale, en dehors de ça, depuis. Et donc, nous allons reprendre à l'automne de 1955. Et nous serons quelque part sur la rivière Sombre à destination de Bourg-aux-Noirs. Alors vous pouvez être parti par exemple Bourg-les-Bois, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent. Donc voilà, si vous pouvez me raconter ce qu'ont fait vos personnages depuis, comment ils se sont retrouvés à Bourg-les-Bois et pourquoi vont-ils à Bourg-aux-Noirs. Qui veut? Eh ben, pour moi, ça me semble assez net. J'ai dû aller voir un petit peu si je trouvais Beaufry, parce que j'ai envoyé des messages, notamment au sujet de la vieille route, pour y attirer les commerçants. Et je voudrais, enfin, sans doute que j'ai essayé d'arpenter la région un peu pour ça, quoi, pour voir si tout fonctionne bien, et en même temps essayer de toujours essayer de fourguer mon luth là, que j'arrive pas à vendre. Ok, tu as pu croiser Beaufry, et qui fait un petit peu la même chose que toi à cet égard, hein, ce genre de, en termes de jeu, d'entreprise, de communauté, qui s'étendent sur des années pour produire leurs fruits, donc ça va pas être tout de suite. Mais à Foncombe, quand tu as fait ça, tu sais que tu as pu rencontrer un certain écho, pas tant auprès des elfes ou des Dunedain qui forment les communautés les plus prépondérantes à Foncombe, mais des hobbits de passage ou des nains qui venaient des montagnes bleues, surtout, bien sûr. Tous ces gens-là ont été intéressés et certains ont commencé à venir s'installer un petit peu dans la région pour participer à leur manière, à leur niveau, à leur vaste entreprise de la restauration de la route de la forêt. Yeah. Tu n'as pas pu vendre ton luth. Et les autres? De mon côté, comme j'avais été assez marqué par le combat qu'on a eu à Kerndum et puis la mort de mon fidèle chien-loup Baran, j'ai suivi mes compagnons jusqu'à ce qu'on puisse ramener les enfants, mais après je suis allé à la ville du lac pour en apprendre un peu plus sur les soins à apporter aux personnes qui en avaient un besoin désespéré, urgent, voilà, pour essayer d'éviter des tragédies futures, au moins participer. Okay. Comme tu as un domaine à Bourg-aux-Noirs, c'est logique que tu y retournes ensuite. Oui. Alors comme je t'avais dit, par contre, même si tu n'y étais pas forcément repassé, voilà, le climat a fait que ton domaine là-bas n'a pas exactement prospéré, quoi. Alors il s'est pas dégradé non plus, parce que peut-être des voisins ont entretenu un petit peu en ton absence ce genre de choses. Mais voilà, ça a été quelque chose, ça a été un hiver très dur. Ok, merci. Et les autres? Alors, en ce qui me concerne, j'accompagnais mes compagnons jusqu'à Foncombe, et je poursuivis jusqu'à la Comté. C'est d'ailleurs là que j'en ai profité pour perfectionner un peu quelques talents, notamment celui d'apprendre à disparaître.
enfin plutôt à me faire vraiment encore plus petit, plus invisible que je ne peux le faire d'habitude. Et par la suite, ben, je suis retourné vers l'auberge orientale, mais simplement, j'ai entendu parler j'imagine qu'il doit y avoir des poissons séchés, enfin, du côté de Bourg-en-Noir. Ah oui. Les eaux du lac doivent être poissonneuses. Alors, elle l'était, mais comme vous le savez, depuis quelques années, la situation s'est un peu dégradée là-bas. Ouais. Il reste encore des poissons? Des petits poissons? Oui. En tout cas, pas aussi abondant qu'autrefois. En tout cas, voilà, ça me paraissait important quand même d'essayer d'agrémenter les mets que Dinodas et moi proposons à l'auberge orientale avec genre, au moins quelques poissons séchés, justement, du. Ah, c'est une manière d'aider le commerce local, merci beaucoup. Exactement. Ok, mais tu es donc passé par l'auberge orientale? Ouais. Oui. Ok. Du coup, là-bas, il y a toujours cette histoire qui traîne depuis plusieurs années des affrontements avec les Viglundid. Les hommes des collines du Gundabad, tu sais qu'ils commencent à entrevoir la possibilité d'entretenir des bons liens avec les Beornid. Après, voilà, ça va pas changer du jour au lendemain non plus. Mais ça a commencé un petit peu, il y a eu quelques alliances qui ont été formées de manière un peu, comment dire, circonstancielle, voilà, informelle. Et ça a un petit peu calmé les Viglundid. Mais c'est depuis quelques semaines, les tensions ont repris. Et parce que, à l'auberge, tu as peut-être pu avoir des échos un petit peu de ce qui passait de l'autre camp, on va dire aussi. Je vois ça, enfin tu peux le voir différemment, mais comme une sorte de zone un peu neutre, même si elle est sous la protection de Beorn, tout évidemment. Ok. Et tu sais que les Viglundid se sont plaints à plusieurs reprises de ce que un archer s'en prenait à eux dans la région et les traquait, et les provoquait en permanence. Ils accusent l'archer d'être Beornid. Pour autant que tu le saches, c'est pas trop dans les méthodes des Beornid, mais ça a un petit peu ravivé les tensions dans la région. D'accord. Et on n'avait pas un archer qui avait disparu, des hommes des bois, un guerrier. On avait parlé de ça, oui, effectivement, avec ces histoires des tumulus et des explorations dans la région. Ah oui, à Bourg-en-Noir, exact, oui. Oui, alors c'est loin, hein, du coup, mais ben oui, y avait ces histoires-là, oui. Et ceux qui ont pu avoir des échos de Bourg-en-Noir, enfin là vous vous y rendez donc, c'est que la situation en gros là-bas se perpétue un petit peu. La situation n'est pas très bonne. Il y a effectivement de ces gens qui partent un petit peu à l'aventure pour récupérer de l'or dans des tumulus ou ce genre de choses. Certains reviennent, d'autres non. Voilà, ça, c'est un petit peu quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Qui reste-t-il, sauf Jorin et Agariel? Alors, bah, de mon côté, alors je suis restée assez longtemps à Foncombe, parce que enfin, voilà, j'étais vraiment secouée par les événements, par ce qui m'est arrivé à Carnune. Donc j'ai un peu, disons que la rencontre avec Glorfindel a un peu... comment dire, et un petit peu atténuer la méfiance que j'avais envers les elfes. Et donc là, je me suis surpris à apprécier leur compagnie, et effectivement à noter en effet profiter d'une forme d'apaisement à Foncombe. Profiter aussi longtemps que j'ai pu de l'hospitalité d'Elrond, et puis bon, après voilà, j'ai bien senti que je pouvais pas non plus m'imposer, donc je sais pas, j'ai pu rester peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça, enfin voilà, selon la bonne volonté d'Elrond. Et donc ensuite je suis rentrée chez... Attends, il s'est écoulé combien de temps déjà, Bertrand? Vous avez dû arriver à Foncombe vers le milieu du printemps à peu près, et là on reprend sur la rivière Sombre vers le début de l'automne. Ok. Donc oui, donc j'ai passé, je suis restée à Foncombe jusqu'au début de l'été,
Et ensuite, bah, je suis donc retournée à Dal pour remplir mes devoirs familiaux. Alors, je crois que ça fait longtemps que Jorin n'y a pas mis les pieds. Il me semble, peut-être plus, en tout cas plus d'un an. Alors, j'ai pas noté exactement, mais Évidemment, c'est certain. certain. Ouais. Mais alors, à quand exactement, ça, je me souviens plus pour le coup. Ça fait peut-être 2 ans qu'il n'est pas retourné. C'est pas impossible. Il fallait que je note en fait à chaque fois. Donc voilà, j'y suis retournée sans enthousiasme, mais bon, poussée par le devoir. Et donc là, bah, j'ai revu ma grand-mère, alors qui est en moins bonne forme que d'habitude, sachant que c'est une force de la nature, d'habitude, la grand-mère de Jorine. Voilà, qui m'a fortement poussée à reprendre la main sur les affaires familiales et voilà, notamment pécuniaires. Donc je pense que j'ai passé un peu de temps là-bas et donc bah, suite à ça je me suis remis dans voilà l'entreprise l'entreprise commerciale que Jorine a montée. Donc je pense que je suis bah, retournée à mes activités bah, de caravane en fait hein, marchande. Donc c'est sans doute comme ça que je me suis retrouvée donc c'était à tu peux repinguer sur la carte? Bourg-les-Bois, à peu près. Oui, d'accord. Bah, je pense que c'était un convoi vers Bourg-les-Bois. Ok. Du coup, quand tu étais à Dal, toi, tu as très clairement entendu parler de ces histoires des récoltes désastreuses du Dorwignon. Le commerce entre le Dorwignon et Dal, comme tu le sais, est très développé. Et du coup, ça a entraîné une sorte de récession, on va dire, et d'inquiétude pour l'avenir, cette situation. D'accord. Et les gens se remettent du siège, enfin pas du siège justement, ils n'avaient pas eu de siège je crois, mais des événements du j'ai oublié, désolé. Alors parce que le Parce que le siège, siège, c'était il y a un petit moment ah maintenant, non, oui, c'est il c'est y vrai, a il y a... 1, 2, 3, 4, 5, Ah oui, quand même, 6 ans. six ans, effectivement, ça fait un bout de temps. Oui, donc il n'y a plus du tout de traces de ça. Non, il n'y a Non, il pas n'y a pas. vraiment eu d'autres soucis comme ça. Il y a toujours parmi les tensions locales, ce qui revient régulièrement, c'est avec les elfes par rapport à l'exploitation du bois. Mais autrement, depuis que vous avez défait le roi Ogibet, d'abord à Selduin et puis ensuite dans la Brande desséchée, il n'y a pas eu d'autres incursions militaires dans la région. Ok. Et reste Agariel, je crois. Ouais, bah en fait j'ai passé du temps à Foncombe, donc c'est l'été, donc j'ai pas pu voir Estélion, puisque l'été, les jeunes d'Undain sont en vadrouille, voilà, et en formation tout autour. Et donc du coup je me suis bon pas mal reposé, même beaucoup reposé. Je passais beaucoup de temps aux écuries. En fait, Agariel, elle aime bien le travail aux écuries avec les chevaux. Et tout ça, elle se prend un peu de passion un peu pour ça. C'est un peu son passion. Ça la détend. Voilà, ça lui fait du bien d'être au contact de ces magnifiques animaux. Et elle est quand même. Quand elle a su que les jeunes recrues, les pupilles, étaient pas très loin, elle est quand même partie voir son fils quelques jours. Même si bon, ça. Bon, ça c'est plus souple qu'à Sparte, mais ça reste quand même pas, voilà, c'est pas commun. Elle est quand même partie au moins voir son fils. Et puis après, voilà, elle n'a pas été trop poursuivie puisque c'est bon, c'était l'été, mais elle a quand même été un peu poursuivie par Dame Nibonette, qui quand même voudrait qu'elle ait un niveau de Sindarin correct et qu'elle perde cet accent paysan terrible. voilà, des Dunedain de sa génération. Elle était un petit peu poursuivie, mais pas trop, ça va. Ils ont été plutôt gentils. Je pense qu'elle a eu aussi peut-être une, voire deux entrevues avec Elrond pour lui faire part de la situation à l'est des monts Brumeux. Sûrement, peut-être même avec Narvi et Jorin aussi. Je ne sais pas. C'est à Oui, toi de vous avez eu voir. plusieurs audiences avec Elrond et auxquelles assistait éventuellement Glorfindel aussi. Voilà. Mais donc voilà, donc Agariel a pu se reposer beaucoup à Foncombe, voir son fils 2, 3 jours.
Et après, donc, elle est partie, puisque je pense qu'on s'est séparé avec Aldamar. Aldamar a dû repartir sur la ville du lac. Oui. Il a rencontré sûrement le médecin vers le Vieux Gué, ou quand on redescendait de chez Béorn. Oui, c'est peut-être là. Et je lui avais promis de le rejoindre à Bourg-au-Noir à l'automne. Et donc, c'est ce que je fais. Voilà, pour voir s'il va bien et prendre des nouvelles parce que. Et puis voilà, et puis prendre des nouvelles aussi de ce qui se passe à l'est des monts Brumeux. Puisque la situation est quand même tendue. Ok. J'aurais une question. Parce qu'il me semble que Agariel, du coup, à la base, déjà, ton personnage était relativement à sa culture le plus âgé, il me semble. Et Ouais, alors. enfin, c'est comme ça que je voyais les choses, mais peut-être à toi. Mais du coup, est-ce que tu pourrais me dire son âge et celui d'Estelion? Alors, écoute, on va faire la mise à jour tout de suite. Attends, je regarde. Hein. Comme ça, je vais rester très précis. Donc. Donc, Agariel a 48 ans. Ok. Et Estelion en a 13. D'accord. Donc, on va dire peut-être pour nous, moi je vois ça comme l'équivalent d'un gros 35 ans, quoi. Ok. D'accord, merci. C'est noté que je me représente un petit peu mieux les choses. Oui, voilà, c'est aussi pour ça que en termes d'augmentation de caractéristiques, ça a plus été de l'augmentation de constitution et d'intelligence que de force. Là, tu vois, c'est pas, ça me semblait pas du tout. Voilà. Et je pense qu'à partir de maintenant, elle va plus faire fonctionner son cerveau. Bon, elle est très résistante, mais oui. Ok, Voilà. merci. Moi, je t'en prie. Ok, alors donc comme je vous disais, on va commencer sur un bateau qui descend la rivière sombre vers, pardon, vers Bourg-au-Noir. Est-ce que Bertrand, je peux faire un test son avant parce que je comprends pas trop ce qui se Oui. passe. Il y a toujours le Ben là, c'est ah, bon, il ben n'y a là, pas le c'est bon, souffle il y qu'il a y avait ce avant. souffle Oui, qu'il y avait avant. Ah oui, ça va c'est mieux. C'était un peu C'est bas, bien, c'est mais un peu bas. t'inquiète, ouais, je t'ai remonté. Oui, le souffle est parti là, c'était cool, super. Ouais, j'ai juste déplacé le micro. Ok. Donc, vous êtes sur la rivière sombre. Alors, la photo que je vous ai mise, il faut pas la prendre au pied de la lettre. C'est plus large que ça, même si c'est pas large comme les Landuins. C'est une rivière navigable, mais dont le cours est assez rapide. Mais voilà, c'est pour vous donner une image du genre de paysage que vous avez à côté, avec des arbres souvent très sombres, effectivement, de la forêt noire. Et le cours de la rivière est toujours praticable, mais il est un peu encombré de certaines algues ou des choses du genre par-ci par-là. Et ça devient d'autant plus vrai au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Bourg-au-Noir. Cette rivière, donc, y a régulièrement, vous aviez déjà eu l'occasion de le faire avec Radagast d'ailleurs, des bateaux qui la montent et la descendent, avec des commerçants ou simplement des voyageurs. Des sortes de péniches, on va dire, avec un fond plat, qui peuvent accueillir une dizaine de personnes éventuellement, et qui sont manœuvrées par des bateliers avec à l'aide de comment appeler ça? C'est pas des rames pour le coup, c'est des trucs qu'on. Enfin si, voilà. Bon, on se comprend. Et vous êtes accompagné donc de plusieurs autres personnages dont je vais vous faire apparaître les portraits au fur et à mesure sur la droite de cet écran. Je vous y ai bien mis au fait. Oui. Alors. Bah justement, qui navigue un petit peu le bateau. Vous avez un homme, un marchand qui commence à être assez âgé. Il s'appelle Widurik. Et c'est un homme des bois qui a passé l'essentiel de sa vie sur cette rivière, hein, à faire le commerce entre les différentes communautés. Et lui, du coup, c'est un bon batelier. Il a cette expérience, même s'il est assez âgé et qu'il commence clairement à manquer de force et de constitution, c'est plus ou moins lui qui mène la barque, on va dire. Il y a une autre personne âgée, plus
plus âgée encore dans ce bateau, beaucoup plus âgée. Et c'est cette femme dont je vous ai révélé l'illustration, qui s'appelle Gudeliva. Gudeliva, toi Aldamar, tu le sais parfaitement, et donc les autres éventuellement aussi, c'est la grand-mère d'Amaléoda des Eaux Noires. C'est une femme très âgée, selon les critères des hommes des bois. Elle a enterré son mari, elle a enterré 4 enfants et 6 petits-enfants depuis. En fait, tout ce qui lui reste, c'est Amaléoda, qui, comme vous le savez, est devenue un petit peu la dirigeante, plus ou moins formelle, de Bourreau Noir. Vous avez aussi un chasseur, qui il a tout du chasseur véritablement dans ses traits, dans son équipement. C'est un homme des bois du don de Baldac. Pas très loquace, pas très sympathique à vrai dire, c'est un dur quoi. C'est un homme qui a été élevé à la dure et qui ne respecte que la force. Et vous avez aussi une jeune femme du nom d'Amas Winta, qui se rêve aventurière et guerrière, vierge à l'épée ou au bouclier. En gros, elle est fascinée par Amaléoda et elle aimerait lui ressembler, mais peut-être en partant davantage à l'aventure. Elle ne veut pas rester dans la région, elle veut connaître des aventures un petit peu partout dans la forêt noire ou dans les terres sauvages. Pour l'heure, elle s'est rarement éloignée de la lisière ouest de la forêt noire où vivent les hommes des bois, mais c'est clairement dans ses intentions. Elle est très jeune, elle est encore adolescente, à peu de choses près. Et donc voilà, vous êtes avec ces 4 personnages sur le bateau. Et voilà, si vous voulez interagir avec eux ou quoi que ce soit, je vous en prie, je vous écoute. Je vais vous faire apparaître leur nom dans le journal. Au cas où. Et allez-y. Je pense que j'interagis pour essayer de leur vendre mon luth. Parce que, voilà, je leur vends que les vertus de la musique. Je leur dis, voilà, ça adoucit les mœurs, vous savez bien. Bref. Le luth en particulier, c'est intéressant parce que ça travaille la dextérité de la main droite. Vous voyez, la dextérité de la main droite. Intéressant, puis non, c'est mélodieux, c'est joli, puis moi, les luttes que je fais, moi, c'est mon premier, mais ils sonnent déjà pas mal, franchement. Moi, je vous le conseille, voilà. Et je fais chaque personnage comme ça, je retiens à peu près le même discours à chacun. Pendant une bonne demi-heure. Ok. Bah, Gudeliva a du genre à répondre, oh mon garçon, je n'ai pas l'argent pour acheter un si bel objet. Widuric admire avec l'air d'un connaisseur un petit peu, il reconnaît que c'est du très bon travail, mais il te laisse clairement entendre que vendre ça aux hommes des bois, ça va être compliqué. Hein. Amas Winta s'en moque complètement, par contre elle admire ton armure. Elle regarde régulièrement ton armure, tes armes. De temps en temps elle te pose des questions très novices et un petit peu naïves sur cet équipement très martial. Alors je lui réponds avec grand plaisir, avec beaucoup de fierté aussi, hein, je pense. Elle est intriguée, assez fascinée. Après, elle a un caractère effronté, donc elle se met pas en posture d'adoration ou quoi que ce soit. Elle a même quelques mots un petit peu effrontés, oui, on va dire, de temps en temps. Mais ça reste sympathique. Baldac, par contre, en a absolument rien à carrer de ton putain de lutte. Et du coup, en fait, je désespère un peu. Hein. Je dis à Widuric, je sais bien que je le vendrai jamais aux hommes des bois, mais si j'essaye pas, je le vendrai jamais, non ? Et puis bon, voilà, je me trimballe ça depuis... ça fait plus d'un an maintenant. Le truc, il est allé à Gundabad, il est allé... Bon, après, c'est vrai que je vais pas dans les meilleures places marchandes, hein, mais bon... Vous avez vu, c'est pas quelqu'un qui... Comment ? C'est ça, mon brave Narvi. Il faut s'adapter à la clientèle locale. Les hommes des bois sont un peu frustes, alors les instruments de musique, aussi perfectionnés en tout cas... Ici, ça va être compliqué, hein. Les gens sont pauvres en plus. C'est des chasseurs, c'est des pêcheurs, ils ont pas beaucoup d'argent. Ouais, si vous venez des Rébords, je pense qu'à Dal, à la ville du lac, dans le Dorwignon, là, vous trouveriez des gens qui pourraient être intéressés. Ouais, je me renfrogne, je dis, ouais, bon, je suis chez les Bouzeux, quoi. Hein. Il relève pas, il continue de ramer. Il a le sourire aux lèvres un peu en permanence, il est assez jovial. Ouais. Ok. Moi, j'essaye de faire causer la Gudeliva, mais par rapport au conte, en fait, parce que là, je suis en train d'épuiser un peu les histoires au coin du feu, donc j'essaye de coder de nouvelles, tout simplement, enfin, de nouveaux contes, de nouvelles histoires pour enrichir mon répertoire. Ouais. C'est une femme qui a beaucoup vécu, et donc oui, elle a des histoires à raconter.
des histoires qui relèvent plus ou moins du folklore, ou les gestes de tel homme qui, il y a 30 ou 40 ans de cela, était considéré comme un grand héros et qui a peu ou prou sombré dans l'oubli immédiatement. Mais oui, elle peut te parler de ce genre de choses, et très volontiers. Elle est loquace, très amicale, c'est la grand-mère idéale. Super. De mon côté, je sais pas si Fredegar avait fini. Oui. Ah, je demande à Baldak et à Viduric si ce n'est pas le long de cette rivière qu'ont disparu des habitants de notre village dans les grottes et les tumulus il y a quelques années. Alors Baldak te tourne le dos. Oui, Durik, par contre, oui. Enfin, plutôt quand on se rapproche de Bourreau Noir. C'est plutôt là-bas, mais... Oui, il y a des petits jeunes qui sont partis à l'aventure et... C'est bien triste tout ça. Vous savez, la rivière sombre, c'est notre ami. C'est notre rempart contre les araignées. Contre toutes les saletés qu'il pouvait y avoir dans la forêt noire. Moi, je pense que les hommes des bois devraient rester autour de la rivière sombre et l'entretenir. C'est notre allié, elle l'a toujours été. Oui, je comprends votre point de vue. Mais je profite pour demander également, pour poser la même question à Gudeliva. Vu son grand, sa grande expérience, pardon. Oh, mon garçon. Oui, ce que dit Widuric me paraît tout à fait sensé. Et je suis si heureuse qu'Amaléoda ait pris sur elle de faire prospérer la communauté de Bourreau-Noir. Elle est tout ce qui me reste et j'en suis très fier. Je pense que c'est... Je ne pouvais pas rêver meilleure petite fille. Ah, madame, nous en sommes tous très fiers. Tu vois que Amaswinda hoche la tête à ces paroles. Mais elle ne parle pas pour autant. Baldak te tournait le dos. Tu voulais acheter autre chose? Non, moi j'avais fini, merci. Je pensais juste, enfin Aldamar pensait juste que l'autre jeune chasseur était jaloux. Et c'est pour ça qu'il a rien dit, voilà. Mais c'est tout. Pour Jorin, oui, bon, il se tient toujours un peu en retrait, comme à son habitude. Et en fait, d'autant qu'il est... Il est un peu... il ne cesse pas de contempler les eaux de la rivière. Voilà, en guettant, parce que ça le ramène vraiment aux visions qu'il avait eues des filles de la rivière. Et en fait, par contre, il s'intéresse quand il voit Viduric et Fredegar... voilà, faire raconter les contes que Viduric raconte à Fredegar, il prête l'oreille. C'est plutôt Gudeliva. Ah oui. Du coup, il prête l'oreille. Voilà, en guettant une... voilà, si à un moment, elle fait mention des filles de la rivière. Je vais te demander de faire un jet de perception, Joy. J'ai monté... Oh. Ça suffira. À quelques distances, à un moment, peut-être précisément au moment où tu commences à envisager de poser ce genre de questions, tu vois une tête qui surgit un petit peu loin à l'avant dans la rivière. Trop loin pour que tu puisses la distinguer précisément, mais tu sais clairement que c'est une fille de la rivière. Et quand cette scène se produit, Widuric s'abaisse un petit peu et te donne un coup de coude. Hé, un beau jeune homme, hein? Avec une jolie jeune femme de la rivière, hein. Ça produit des spécimens intéressants, croyez-moi. Et Gudeliva pouf à côté. Que voulez-vous dire, Oh bah je vais pas vous faire un dessin, mon petit, quand même. Ah. Et y en a qui ont le sang de la rivière, après tout, il faut bien qu'ils l'acquièrent quelque part. Hein. Alors si jamais... Cette une jolie jeune fille de la rivière se présentait à un beau jeune homme comme vous. Voilà, hein, n'est-ce pas? Coup de coude, coup de coude. Gudeliva pouffe à nouveau. Bon, je lui mets un coup de plus agressif pour le faire taire. Il se prend la vie qu'on recommence à manier sa rame.
Et je vois toujours la suite de la rivière ou pas? Non, elle a disparu. Eh, okay. C'est ça le problème, mon petit. Si on les laisse attendre trop longtemps, elles se transforment en truites, et puis là, tu les reverras pas de sitôt, hein. Ça va vite, ces bestioles. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, j'en ai... Ah bon, et qu'est-ce qui te fait dire ça, mon petit? J'ai été jeune aussi, tu sais. Vous en avez connu? Il a un grand sourire, Béa. Je pense que là, Jorine, il se déride un peu et... Il échange un regard avec le un regard amusé avec le vieil homme et puis il se tait. Et puis Deliva aussi vous regarde d'un air très attendri. Le bateau progresse. Tu voulais intervenir à Gariel? Oui, du rig, eh bien, non, par chance. Encore une fois, je vous le dis, cette rivière est une barrière, elle est notre mur. Et nous devons nous en réjouir. Non, non, les araignées ne franchissent jamais. Et les gobelins ou les orques non plus. C'est vrai qu'ils ont cherché à contourner. Évidemment, ils étaient appelés dans le sud, mais... Tant qu'on aura la rivière avec nous, rien de mal ne pourra nous arriver. Baldak lance un soupir un petit peu... insultant, à vrai dire. Ouais, cause toujours le vieux. Ouais, bah moi je ferais pas confiance à un truc qui dépend pas de moi, de manière générale. J'ai mon arc, j'ai mon flèche. Je sais me servir de tout ça. Les autres peuvent bien crever. Ah vraiment, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire tout seul avec votre arc et vos flèches face à tous les orques qui vont arriver un jour, peut-être? Tout seul, vous ne ferez pas le poids. Hein. Ouais. S'en sortir que seul. Vous savez d'où on vient, mon petit gars, Baldak? On vient de Karndum, tout au nord, là-bas. Je peux vous dire que on n'était pas trop de 6 ou 7 pour tenir tête à ne serait-ce qu'une vingtaine de gobelins. Vous savez pas de quoi vous parlez. Une vingtaine? Vous exagérez. Enfin, plutôt, vous sous-estimez, mon cher Minervi, vous sous-estimez notre... ce que nous avons traversé là-bas. Et encore, oui, ce n'est que la dernière de nos aventures à travers la... Qui s'en coltine déjà une vingtaine avec son petit arc. Oui. On en reparle après. Ah, tu es assez désagréable. Oui, mais j'ai compris, oui. Elles disent ce qu'elles ont toujours dit. Il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui meurent. Le reste n'a aucune importance. Cet hiver a été rude. Il y en aura d'autres. J'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Ah, excellente remarque, madame. Ça lui fera du bien à ce petit jeune d'avoir un petit peu de poil blanc dans la barbe. Enfin, le jour où il poussera une barbe, bien sûr.
Est-ce on que... peut toujours attendre. Ah. Ah certes, maître nain, je crois que vous nous battez tous à cet égard. Mais Gudel y va de temps en temps quand elle a les poils qui poussent, ça pourrait peut-être arriver à un bon résultat aussi. Oh, oui, Duric. Je vois pas le problème. Est-ce que... Bon, moi, personnellement, Aldamar, il ignore absolument Valdak, mais est-ce que je peux m'en rapprocher de Gilles Duric et rebondir à ce qu'il disait plus tôt, comme quoi la rivière Noire, elle nous protège et il faut qu'on la protège également. Et je lui pose la question... malgré notre protection en tant qu'habitant de Bourreau Noir, la qualité du lac s'est terriblement détériorée. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y voit ? Ah, je ne sais pas. J'imagine que les temps sont difficiles pour tout le monde. La rivière continue de nous protéger. Mais elle-même peut être affectée par ce qui se passe aux environs. C'est vrai qu'il y a une recrudescence des passages des gobelins et des orques à l'est, mais... Tant qu'ils ne franchissent pas la rivière, ce sera très bien. Genre de tels événements ne se sont pas produits depuis longtemps, tout de même. Voire jamais. Eh bien, je suis un vieil homme, ou je commence à en devenir un. Non. J'ai toujours vécu avec la rivière. Elle a toujours été là. Et elle sera toujours là. Tant que... Ils vivent les filles de la rivière également pour nous protéger. En parlant du loup ou de la truite, puis il fait un geste de la tête et vous revoyez la silhouette d'une fille de la rivière au loin. Alors là encore, vous pouvez pas distinguer ses traits. Alors et mon voici petit jury, il va falloir se décider. Hein. Est-ce votre amie, chère Jorine ? Vous avez des yeux perçants. Est-ce que vous pourriez la reconnaître ? Vous reconnaissez ses formes ? Faire. De quoi, pardon ? À reconnaître la fille de la rivière. Ah, ça va voir si je la reconnais, enfin, si je l'ai déjà vue. Tu peux faire un jet de perception. Ok. Tu l'avais pas vue comme ça, mais tu penses que c'est celle qu'on t'avait désignée sous le nom d'Onde Vespérale. En fait, c'est celle que tu avais vue, en tout cas. En armure d'écaille, hors de l'eau. Et là, elle est dans l'eau, donc tu as eu un peu de mal à distinguer ses traits. Tu sais que ce n'est pas celle qui t'a embrassé. C'est probablement cette onde vespérale. D'accord, elle est à quelle distance de la barque, Une bonne centaine de mètres, c'est pour ça que ça serait sans doute évident à distinguer. Ah, je pense que je vais pas. Je pense pas que Jorin soit d'humeur à jeter à l'eau. Il a pas envie de se ridiculiser, mais je sais. Enfin, je la regarde dans les yeux autant que puisse se faire à une centaine de mètres. Ok. Elle disparaît sous l'eau. Il va falloir se montrer plus entreprenant. Hey, t'es jeune, profites-en, hein! Puis il se met à exploser de rire, quand soudain. Vous subissez un grand choc. Il y a quelque chose qui a heurté la péniche par en dessous. Ça vous a tous déséquilibré, au point d'ailleurs où Widuric a laissé échapper sa rame. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez autour de vous que les flots de la rivière. S'accroissent. Vous êtes bientôt dans une véritable tempête. Le courant est régulièrement rapide sur la rivière sombre, mais là il le devient beaucoup plus. C'est comme un torrent très furieux. Vous avez de véritables vagues qui vous portent sur cette rivière qui déborde clairement de son lit, au point où ça fait un boucan terrible. Vous avez du mal à vous entendre les uns et les autres, et vous êtes secoués de part en part. Je vais vous demander à tous de faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Ok. Alors, Aldamar, Jorin et Agariel, vous êtes tellement balancés de part et d'autre, et ça dure, ça commence à faire plusieurs minutes que c'est comme ça, vous allez gagner un niveau d'épuisement.
et vous êtes toujours entraîné comme ça. La barque progresse dans vraiment une rivière qui a débordé de son lit et qui est devenue furieuse. Et au point, en fait, où vous ne pouvez plus vous repérer. Vous avez une seule conviction, si vous essayez de sortir de la péniche, vous mourrez, vous vous noirez. Est-ce que vous tentez quand même quelque chose ? Rien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une gaffe dans... Eh bien non, parce que Widuric a échappé la sienne, pour le coup. Et il n'a pas il y en avait une deuxième, mais qui a sauté quand la péniche a été percutée par en dessous. Ok, parce que là, je ne sais rien de particulier. Widuric et Gudeliva, du coup, se sont accroupis ou mis à genoux au milieu de la péniche pour essayer de se tenir. Ce sont des personnes âgées qui pourraient valser très facilement. Vous voyez que Amaswinta les aide. Elle prend soin notamment de protéger Gudelinva. Et Baldak, lui, est juste accroché de son côté à l'arrière de la péniche. Et il fixe l'horizon. Il n'y a aucun phénomène météorologique, genre, je veux dire, du vent, de la pluie, un orage terrible. Vous n'avez rien de tout ça, mais la rivière est en furie. Oui, de toute façon, chaque fois qu'elle apparaît, c'est le merdier juste après. Pareil, je vais aider la jeune fille à protéger la grand-mère. Okay. Je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution. Ok, il est très bien réussi. Tu avais pris quelques coups en étant balancé de partout quelques temps plus tôt, mais tu as fini par retrouver ton assise, ton équilibre, et te mettre en position effectivement d'éviter que Guvelinda se retrouve projetée hors de la péniche. Widuric lui aussi a pris une position assez sécurisée, et Baldak de son côté également. Vous faites autre chose ? Eh bien, je demande à Vildurik, est-ce qu'il a déjà rencontré un phénomène pareil, et je regarde il t'entend devant... Pas. Il t'entend pas, il y a trop de boucans, les flots, tout ça, fait que vous ne pouvez pas... Enfin, il faut vraiment hurler, vous pouvez pas avoir une conversation normale. Quoi. Okay. Est-ce que je peux regarder autour de moi, autour de la barque, devant, derrière, sur les côtés Tu peux faire un jet de perception ou de survie, au choix. Tu as dû emprunter cette rivière régulièrement dans tes aventures et ton installation à Bourg-Noir. Au bout d'un moment, tu comprends quelque chose. La rivière est totalement sortie de son lit, donc au bout d'un moment, vous ne suivez plus le cours de la rivière Noire à proprement parler. Vous suivez le cours d'un de ces d'un bras tributaire et qui vous conduit à l'est. Non pas au lac des eaux noires, mais qui vous enfonce progressivement dans le cœur de la forêt noire. D'accord. Tu pourrais pas te repérer plus précisément. Tout ce que tu sais, c'est que là, vous n'avez plus la direction de Bourg-Noir. Ok, et c'est un bras qui, à ma connaissance, va très loin ou qui... Alors, tu ne l'as probablement jamais remonté très loin parce que justement, ça va dans le cœur de la forêt. Ok, bon, mais j'en informe mes camarades alors, si jamais. Bah, tu ne peux pas leur parler là, pour le coup, il y a trop de bouquins. Tu peux essayer de m'approcher d'eux. Oui, si tu peux. Tu peux faire un jet de dextérité ou d'athlétisme ou d'acrobatie pour ça. Alors, dextérité, acrobatie ou athlétisme. Ah, mais pardon, c'est un jet de sauvegarde. Oh, bon, ça sera bon, ça fera l'effet. Tu peux te déplacer de manière relativement sûre sur la péniche emportée par les flots. Tu peux te rapprocher de quelqu'un de ton choix, même si voilà pour échanger, il faudrait vraiment hurler directement à l'oreille. Mais tu peux tenter si tu veux, faut juste que tu me dises à qui. Ok, à Gariel alors. Ça n'est pas dur d'oreille. Qu'est-ce que tu lui dis du coup ? Qu'on va s'enfoncer dans la forêt noire et que voilà, on n'est plus du tout en direction du village et... Et qu'on va au devant des bêtes sauvages et de...
beaucoup de dangers, quoi. Je pense que je perçois, on va vers l'est, on va vers l'est, quoi. Oui, maintenant qu'Aldamar t'a pu le confirmer, ça pouvait aller dans le sens d'une intuition que tu avais déjà. Clairement, vous êtes plus sur la route de Beauregard, vous partez au cœur de la forêt noire. Territoire des araignées. Yep. Moi je crie, je pense pas qu'ils m'entendent, mais je crie « Jorin, vous auriez dû plonger! Vous les avez fâchés là, les filles de la rivière !» Alors personne ne rit à ta blague, même ceux qui peuvent l'entendre pour le coup. Je sais pas comment réagit Jorin, si tu entends Narvi, je te laisse déterminer. Je vous avais pas autre chose à faire que d'aller chercher des noises alors que notre vie est en danger, Maître Narvi. Non mais j'y crois un peu en fait. Je me demande si c'est vraiment une blague. En le disant, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça. Elles ont peut-être des pouvoirs. Peut-être qu'elles peuvent provoquer des tempêtes quand elles sont grossées, j'en sais rien. Après, je me le dis à moi-même, ça, je... Oui, oui, ça, tu peux pas échanger comme ça, de toute façon. Je me suis bien rendu compte que tout le monde trouvait ça ridicule, donc... Je me garde bien dans les pouces. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, non ? D'accord. Tu vas gagner un point d'ombre. Je file un mauvais coton. On ellipse un petit peu là, mais ça fait des heures maintenant que vous êtes emporté comme ça par le courant. Vous pouvez supposer que vous êtes enfoncé vraiment beaucoup dans la forêt noire, et bien plus vite que quiconque ne pourrait la traverser en allant à pied, que vous le savez, c'est une région où la forêt est extrêmement dense tout autour de vous, et voilà, vous vous enfoncez vraiment profondément, ça fait plusieurs heures que vous êtes prémalé comme ça. Il n'y a aucun moyen... Enfin, je veux dire, il n'y a pas, j'allais dire, de hameçon, n'importe quoi, d'encre ou rien du tout sur une barque pareille, et même pas de corde pour calmer la descente, quoi. Rien du tout. Ça va beaucoup trop vite pour que vous puissiez faire quoi que ce soit de la sorte. Et du coup, ça se calme à un moment où on est échoué, je suppose. Au bout d'un moment, ça se calme enfin, progressivement, lentement. Et puis le débit de la rivière, ou plutôt de cet affluent sur lequel vous vous trouvez, redevient normal. Vous n'avez pas de gaffe, mais la végétation est très proche, pour le coup, de la rivière. Vous vous êtes probablement pris plus d'une branche dans la gueule en passant à cette vitesse. Quand ça se calme un peu, Widurik se relève. Et il essaye de manœuvrer la péniche avec ce qu'il a pour la faire s'échouer sur une sorte de petite plage à un moment. Le vieil homme est bouleversé, de toute évidence. Baldak est égal à lui-même. Amma Swinta a... Vous pouvez faire un jet de perspicacité, ceux qui regardent Amma Swinta. Yep, ça va être le cas. Frédégar, tu perçois qu'elle est assez tourmentée parce qu'elle est devant une sorte de dilemme. Avec toutes ses ambitions de devenir une grande guerrière, elle a visiblement eu très peur de ce qui s'est produit. Et là, en même temps, elle a l'air de réaliser subitement que c'est peut-être sa chance d'enfin partir à l'aventure. Gudeliva a été très malmenée durant le trajet, mais c'est une vieille femme solide. Elle a tenu le choc. Mais se retrouver ici, perdue en plein milieu de la forêt noire, est visiblement une expérience qu'elle ne s'attendait pas à vivre, comme vous tous, j'imagine. Mais Baldak, à peine Widurik a pu faire s'échouer la péniche sur cette petite berge, qu'il est sauté. Il a sauté sur la terre ferme. Il s'est emparé de son arc et il gâte les environs. Est-ce que Frédégar a toujours la carte de la forêt noire Alors en fait, je n'avais pas de carte de la forêt noire. Alors voilà, je vais être plus direct. Est-ce que je connais cette terre? Excuse-moi, Damar. Ok. Tu peux faire un jet de survie. Alors attends, c'est aussi simple que ça. Tu regardes, si je suis dans une de ces régions, je ne peux pas être perdu. Non,
Ce n'est pas une terre connue. Ça, okay. Ça ne pouvait pas l'être, a priori, de toute façon. Ça ne pouvait pas l'être, très bien. Ok, donc je vais faire un jet de survie pour essayer de voir où on est. C'est parti. Alors du coup, tous mes jets, vu que j'ai un niveau d'épuisement, sont à désavantage, c'est ça? Oui, pour le coup, oui. Eh ouais. Les jets de caractéristiques seulement, c'est-à-dire pas ceux de sauvegarde ou d'attaque. Ouh. Ah. Okay. Jets de caractéristiques seulement? C'est-à-dire ceux-là, oui, par exemple. Celui-là, oui. Okay. Ah, voilà, bah, très bien, échec critique. Tu vas gagner un point d'ombre, pour le coup. Quand tu réalises que, non, effectivement, là, c'est une région que tu ne connais pas du tout. Tu as pu en entendre parler. Tu sais que c'est ce qu'on appelle le cœur de la forêt noire. Donc, c'est une région dans la forêt noire. Et c'est le domaine des araignées. C'est là qu'elles sont les plus nombreuses. C'est une région où les bois autour de vous sont extrêmement denses, extrêmement sombres. Et clairement, la vie qu'il y a dans le coin est hostile. Tu sais aussi une autre chose par rapport à ça, Kaldamar, c'est également, je vais pas lui demander de jet. Le voyage que vous faisiez jusqu'à Bourreau Noir devait durer peu de temps, vous n'aviez pas de vivres. Là, vous n'en avez donc pas. Vous ne savez pas où vous êtes exactement, mais avec tout le temps qui s'est écoulé sur cette rivière en furie, vous savez que vous êtes loin à l'intérieur de la forêt. Et qu'il va falloir des jours pour retourner à Bourreau Noir, minimum. Est-ce que j'ai un moyen quelconque de me repérer ou pas du tout? Tu ne connais pas cette région. Ok. Tu peux faire, et à Gariel aussi, un jet de survie. Encore, ouais. Alors à Gariel, cette fois, c'est réussi. Donc tu ne sais pas où tu es, ça non. Maintenant... Je sais pas quelles sont tes idées pour la suite des opérations, mais j'imagine que retourner à Bourreau Noir serait assez plausible. Oui, oui. Ok. Il y a la méthode simple, c'est remonter le cours de cette rivière. Ça risque d'être long et compliqué, parce que vous avez pu voir que les berges étaient très marécageuses déjà, très encombrées. Avec cette crue subite, ça a encore aggravé les choses. Ça va être un voyage très épuisant et très long. Tu supposes qu'il y aurait peut-être moyen de couper directement par la forêt, mais ça serait un petit peu à l'aveuglette. Il faudrait se repérer progressivement et avec beaucoup de soin. Ça serait probablement plus rapide, mais probablement au moins aussi dangereux. Je vais vous laisser réfléchir et échanger là-dessus une ou deux minutes, s'il vous plaît. Je fais un petit AFK, je reviens. Ok. Bon, on va pas laisser les deux personnes âgées toutes seules sur les berges pendant que nous, on va chercher à savoir où est-ce qu'on est et retrouver le village, non? Non. Est-ce que le trajet le plus rapide serait le mieux? Par rapport justement aux personnes âgées? Tu veux dire partir au cœur de la forêt plutôt que remonter la rivière ou... Ouais, ça va être long, on n'a pas de vivre, ça va être épuisant. On va mettre ça au vote. Hein. C'est-à-dire, on a au moins 4-5 archers qui peuvent chercher la nourriture. C'est pas faux. Pourtant, Baldac, je suis pas sûr qu'il va nous aider. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, puis dans le coin, on a plus de chances de tomber sur de l'araignée que de tomber sur le sanglier. Ouais. Ah, je suis pas d'accord, on peut tomber sur des sangliers bouffés par des araignées. C'est pas faux. Mais du coup, ils sont légèrement empoisonnés, donc bon. C'est sympathique, hein, ça donne un petit fumé à la viande. Ouais, mais... ouais un petit côté doux amer. Je suis de retour. Ah ouais, c'était rapide. deux petites précisions aussi, bon, il y en a une, ça tombe sous le sens. Un voyage pareil avec Gudeliva, notamment, ça va être compliqué. Mm. Et pour le petit malin qui se serait posé la question, est-ce qu'on peut pas simplement remonter sur la péniche pour remonter comme ça? Non. La péniche a pris cher pendant le trajet, et le débit reste très fort. Alors attends, c'est une péniche, donc c'est une barge, donc il devait quand même transporter. Si tu prends pas une péniche pour... C'est une barge de transport juste de passagers un peu à la vénitienne, c'est ça? Ou... Il peut y avoir un tout petit peu de marchandises. Là, il y avait Widurik qui est un marchand qui avait quelques petits trucs, mais
On parle d'un colporteur, hein, ça tient dans un gros sac à dos. Ok, donc oui, c'est plutôt petit, donc c'est pas une péniche. Et par contre, au niveau, y a combien de jours de vivre? Aucun. On a rien. Pas aucun. T'as au moins 2-3 jours, quoi. Ah non, 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 descendre de Bourg-les-Bois en suivant la rivière comme il faut jusqu'à Bourg-Noir, c'est pas si long. Vous en aviez peut-être pour une journée. Allez. Ok. Et pour te faire plaisir, elle a valsé par-dessus. D'accord. Oui, ça devait même pas prendre une demi-journée, en fait, ce trajet, j'imagine. Si bien une journée et demie. D'accord. Okay. Oui, voilà, avec une possibilité de s'arrêter dans des, en fait, ouais. Ouais. Dans des endroits appropriés. Vous n'êtes pas dans un endroit approprié. Oui, c'est une toute petite barque à la Vénitienne qui est même pas... on peut même pas remonter la rivière avec, là, en fait. Elle a pris tellement cher que... Non, elle a pris trop cher et le courant demeure fort. Donc il faut couper à travers bois. Ou suivre la rivière à pied. Ce sont les deux options que... Ou suivre... Ah oui, oui, suivre la rivière à pied, oui. Suivre la rivière à pied me semble, pour un guerrier, ça semble le plus raisonnable, quoi. Moins accidenté. Moins d'araignées. Ouais. Tu sais par contre que ça sera probablement plus long que de couper à travers la forêt, et donc plus fatigant. Ah oui, mais vaut mieux arriver fatigué que mort. C'est l'argument, en fait. Vous voulez la remonter, en fait, à pied, c'est ça? Et rejoindre le courant, ouais, principal. Et au moins, on aura de l'eau potable et une source de poisson. Il y a déjà deux d'entre nous qui ont un niveau d'épuisement. D'ailleurs, c'est qui, en fait? C'est Agariel et qui? C'est moi, je crois. Je crois que j'ai raté, désolé. Je suis un peu crevé là, du coup. Je pense que j'ai un point d'épuisement. J'ai fait 9 en jeu d'athlétisme tout à l'heure. Il y a Aldamar aussi, je crois. C'est le jeu d'athlétisme pour ça. Et oui, ça concernait aussi Aldamar. Donc Aldamar, Jorin et Agariel. Oui, mais j'ai marqué, je suis à moins 1, mais ressenti 0 pour le moment. Ah oui. C'est vrai, tu ressens rien. Trop cool. Enfin, si, mais... Oui, enfin, oui. En décalé, quoi. Est-ce qu'on pourrait envisager de tracter la péniche le long de la berge avec Gudeliva dedans, par exemple, pour l'éviter de marcher trop? Non, c'est à contre-courant, ce serait vraiment trop... Ça vous demanderait beaucoup d'efforts, et ça serait pas très sûr pour Gudeliva, parce qu'au moindre accident, si jamais vous lâchez la barque, ouais, pour une raison ou pour une autre, elle se retrouve toute seule. Ouais. Voilà. Oui, voilà, c'est plutôt une grande barque, à la limite... si on a besoin de passer, tu vois, des bras, on fera un petit radeau, je pense. Donc on récupérait tout ce qui est cordage sur la barque, récupérer ce qui est récupérable en cordage sur la barque, et remonter la rivière me semble le plus raisonnable. Mais si vous voulez passer par le territoire des araignées, écoutez, allons-y, hein, il y aura... Justement, les autres, Gudeliva, Viduric et Baldac... Comment ils réagissent, par rapport à ce choix-là, qu'est-ce qu'ils en disent? Oui, voilà. Alors, Widuric est sur off, là, on va dire. Il est vraiment bouleversé par ce qui s'est passé. La rivière n'est pas censée faire ça. Baldac n'a pas échangé un mot. Il est resté plus ou moins à proximité de votre groupe, mais il a commencé à s'aventurer un petit peu dans les environs. C'est un chasseur. Il voyait s'il y avait possibilité de chasser quelque chose. Ça n'a pas l'air très fructueux pour le moment. Mais il reste quand même relativement à proximité de votre groupe. Il n'est pas parti tout seul comme un couillon. Gudeliva est très fatiguée. Elle a été épuisée, évidemment, par cet incident. Elle n'est pas vraiment en état de parler. Amaswinta et... Amaswinta écoute les échanges entre Agariel et Aldamar sur ce qu'il faut faire maintenant. Je demande son avis, si c'est la seule en état de parler. Je dis, et toi gamine, qu'est-ce que tu ferais à notre place? Gamine? La forêt. Oui, oui, ben... Il va falloir qu'on retourne à Bourg-Noir, de toute façon, et suivre la rivière, pareil, là... La meilleure solution. Je me suis jamais éloigné de la rivière, moi. Mais on va s'en sortir. Et si jamais on rencontre de ces sales araignées ou des choses comme ça, t'as trop de balance.
cas, puissante magie qui nous a mené là. Ça, c'est sûr. Mais ça ne devrait pas se produire. La forêt noire est dangereuse, c'est une chose, mais la rivière est notre amie, elle a toujours été notre amie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Une magie bien plus puissante que celle des filles de la rivière. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment, malheureusement, grand-père. Et on est souvent au bon endroit, au bon moment. Ou au mauvais. Est-ce qu'il y a du poisson dans la rivière? Est-ce que je peux déterminer si en suivant la rivière, on peut pêcher, il y a du poisson, quelque chose comme ça? Alors, a priori, sans demander de nouveaux jets par rapport à ça, il y a un peu de poisson. Il y a probablement possibilité de chasser un petit peu à proximité de la rivière. Maintenant, toi et Aldamar, au moins, vous savez que plus vous vous enfoncez dans la forêt noire, plus les bestioles à chasser peuvent présenter le risque d'être corrompues à leur manière, on va dire. Eh oui. Donc dans l'absolu, vous devriez pouvoir vous nourrir sans problème. Maintenant, ça aura peut-être des effets indésirables. Il est quel moment de la journée on peut déterminer ça ou pas, vu l'ombre, enfin le... Non, parce que pour le coup, la végétation est très serrée ici, et il y a une voûte d'arbres au-dessus de ce cours d'eau. Vous êtes vraiment dans la forêt noire, dans celle qui porte le mieux son nom. Vous ne voyez pas la lumière du jour. Vous êtes... La lumière que vous avez, c'est celle du crépuscule, on va dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes au crépuscule, parce que c'est un petit peu la lumière permanente dans cette région. J'imagine que j'avise mes camarades, mais enfin, ils en sont tout autant conscients que moi. On ne peut pas rester là indéfiniment, qu'il faudra choisir, parce que si nous, on ne voit pas grand-chose, les créatures ici nous voient, par contre. Je suis bien d'accord. Cela dit, pour revenir à la question d'Agariel, enfin voilà, je confirme, vous n'avez pas de vivre. Donc concrètement, Aldamar, et avec l'aide de Baldak éventuellement, s'il veut bien vous aider, concrètement, il faudra faire un jet de chasse réussi par jour. D'accord. Pour que vous ne subissiez pas de désagréments. Un jet de chasse, tu veux dire tirer à l'arc? Parce que j'ai pas chasse dans mon... Généralement, ça se fait par rapport à la compétence de survie. Ok. Dans des conditions comme ça. Il faut que j'en fasse un maintenant ou pas? Non, parce que voilà, j'attends que vous vous fixiez pour la marche à suivre. Ouais, et à partir de là, on fera les jets de préparation. Jorin, il a le secret espoir d'être aidé par les filles de la rivière. Donc logiquement, il suit la rivière. Suivre la berge alors. Bon, moi je suis partant en tout cas. Ok. Dans ce cas, Agariel, je vais te demander de jeter un des 12 plus 5, puisque tu avais un bonus au jet de préparation que tu avais acquis lors du dernier jet d'arrivée. J'ai le mentionné. Ce qui est pas mal. Quel c'est le meilleur résultat? Ah. Alors. Ok. Donc les premiers jets de chaque événement de voyage seront faits avec avantage. Maintenant je vais te demander de jeter un des deux, s'il te plaît. Ok. Et donc maintenant, un des 12, plus 1, plus 2, pardon. Ok. Alors. Je vais vous demander deux petites minutes pour préparer un petit truc. Et je reviens à vous. J'espère qu'on a de quoi pêcher. J'espère qu'on a des bières. Ah non, on n'a pas de bière. Pêcher, c'est déjà. De quoi pêcher, ça peut s'improviser plus ou moins. Et oui, du rica de quoi. Ou au moins un petit filet et tout, quelque chose comme ça, quoi. Qui pourra rentrer en compte dans les jets de chasse. Et de la bière, oui, et une glacière. Ça se réglera quand même par des jets de survie. Oui, par des jets de survie, tout à fait, ouais.
Mais je préférerais ne pas avoir mangé les bestioles du cœur de la forêt noire, j'avoue. Quoi, on n'a pas de canne à pêche magique? C'est nul. On n'a pas de glacière. Vous avez un pot à poisson. Si vous êtes en pis, pouf, le poisson sort de l'eau et atterrisse dans la glacière. Ah, ça c'est la meilleure pêche, ça. Oui, je pense que ça va se régler peut-être avec des lances, des filets, ce genre de choses, quoi. Ok. Bah, je vais demander dans ce cas à Aldamar de faire un jet de survie. Parce que Baldak va t'aider, tu ne vas pas le faire à désavantage, du coup, tu vas le faire normalement. Ok. Ok. Vous pouvez pêcher quelques poissons. Baldak a réussi à guère plus qu'à dégommer quelques écureuils de la forêt noire à la forêt noire. Ça vous suffira pour vous nourrir, mais pour le coup, Aldamar, tu es épuisé. Tu vas regagner un niveau d'épuisement. Ça marche. Vous pouvez progresser de la sorte avec de temps en temps donc Aldamar et Baldak qui chassent ou pêchent. Ce qui vous ralentit un peu. Enfin, ça vous ralentit pas tant que ça, parce que vous êtes déjà considérablement ralenti par le fait que Gudeliva est avec vous. Et Widurik peut faire vaguement illusion. C'est un homme assez fort, même s'il est vieillissant. Mais là, vous avez une vieille dame qui est vraiment pas en mesure de faire ce genre de périple de manière très fructueuse. Je parle très mal ce soir, excusez-moi. Ça va. Ouais, moi, j'ai autant que faire se peut, j'ai récupéré un peu de cordage. Le peu qu'il y avait, au moins le bout de. Oui, ça le, au moins le bout d'amarrage du. Si c'est possible, autant que faire se peut, parce que ça pèse quand même, un genre de truc. Donc, tant que je peux le porter, je le porte. Le moment où je pourrais plus le porter, tu me le diras, Bertrand. Ça peut être important, je pense. Moi, juste pour dire, je reste un peu en arrière avec Gudeliva, justement, pour la soutenir moralement, donc l'aider dans les passages les plus délicats. Et lui raconter des histoires aussi, cette fois celle du pays de l'Ezo, histoire qu'il ne pense pas justement à tous les dangers qui nous attendent. Ben, moralement, ça va pour le coup. Elle a tenu le choc moralement, bien plus que Widurik. C'est physiquement que c'est compliqué d'avancer comme ça. Okay. Mais elle écoute tes histoires et continue de jouer à la grand-mère idéale. Elle comprend très bien tes intentions quand tu fais ça. Donc elle ne te reprend pas là-dessus, mais elle comprend très bien ce que tu veux faire et elle joue le jeu, on va dire. Cette dame âgée, vu sa connaissance, n'a pas d'histoire, de folklore en tête. Avec un événement similaire, rien du tout. Non, je. Widurik a raison. Cette rivière, elle a toujours été notre alliée. Ah, bien évidemment, il peut y avoir des crues de temps en temps, mais aussi violentes que celle-ci. Et vous avez vu comme moi. Il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de nuages noirs d'orage ou. C'était juste les flots de la rivière. Nous ne sommes pas à la période des crues. Je veux dire, au printemps, éventuellement, quand les ruisseaux viennent de la forêt noire, ils sont grossis par les neiges ou ces choses comme ça, mais ce n'est pas du tout la saison. Est-ce que ça pourrait être dû à l'hiver très rigoureux que nous avons suivi? Gudeliva en doute. Les autres ne savent pas vraiment. Ça paraît un peu douteux quand même, parce que là, encore une fois, vous êtes au début de l'automne, et il s'est passé beaucoup de temps quand même. Le point de vue des guerriers, vous l'avez eu. Hein. Elle le répète pas, mais elle l'a dit, et ça l'a lâché juste après le naufrage, une magie très puissante. Très très puissante.
Aldamar, alors que tu pars en expédition de chasse dans les environs avec Baldak, il s'approche de toi. Bon, faut qu'on cause. Mais Aldamar, Yavka, qui n'est pas fait très loquace. Malheureusement. Yop, je suis revenu. J'avais encore le casque, mais je pouvais pas parler, j'étais en... Je maniais des trucs. Oui. Alors, Baldak veut me parler, c'est ça? Ouais, alors quand vous êtes à l'écart du groupe, hein, pour le coup. Même si je vais pas demander derrière ça ou quoi que ce soit. Damar, j'ai entendu parler de toi. T'es un homme des bois comme moi, et tu sais ce que c'est la vie dans la forêt. Oui, mais j'ai même vu plus long que la forêt. Bah, justement. Regarde ce groupe, là. Tes amis, ok, très bien. Mais les deux vieux, là... Eh oh, ça va pas de parler comme ça. Écoute, je parle vrai. Ces deux vieux, tout ce qu'ils vont faire, c'est nous ralentir et nous faire bouffer par des putains d'araignées. On peut pas faire le voyage avec eux dans ces conditions. Mais tu veux partir en avant tout seul et sauver ta peau? Très bien, vas-y. Oui, je veux sauver ma peau. Je sais que j'aurai plus de chances de la sauver si je suis avec vous aussi. Je suis pas complètement stupide. Mais ce que je sais aussi, et si t'es pas stupide, tu l'admettras, c'est que tant qu'on aura ces deux vieux avec nous, on pourra pas progresser. Bah écoute... Ils nous ralentissent trop. Et c'est dangereux. Non, on peut pas faire ça à nos aînés. Si tu veux partir, tu pars. Mais tu vas pas aller tuer les vieux, les personnes âgées auxquelles on doit le respect pour sauver ta peau non plus. Bah écoute, ils ont qu'à sauver eux-mêmes leur peau. Je parle pas de les abattre. Je dis simplement que quand des femmes nous ralentissent, on les laisse en derrière. Eh bien, grand bien te fasse si tu veux partir. Ouais. On en recausera dans 3 ou 4 jours. Quand on aura rien bouffé, quand on aura à peine progressé de 10 km. Il s'éloigne un petit peu pour aller chasser de son côté. Et je lui crie, tu n'as pas vu Carne Dûm? Vous continuez quand même de progresser comme ça. Gariel, au bout d'un moment, vous avez... Oui, tu voulais dire quelque chose à la main. Est-ce que je peux prévenir mes compagnons? Pas forcément les aînés de mon village, mais tu me dis comment tu fais et à qui? J'ai quand même confiance dans tous mes compagnons. Sauf les villageois, je préfère éviter de leur... d'amener la dissension. Je dis à mes compagnons que... Le petit jeune archer du village est très ambitieux et n'a aucune empathie pour qui que ce soit. Et qui pourrait devenir un problème. Parce qu'il a quand même suggéré qu'on abandonne les aînés. Tu le dis à qui et comment tout ça? Pardon, je pensais le dire à mes compagnons, mais écoute, je vais le dire à Gariel. Chuchotis, discret, un petit peu éloigné, comment? Ouais, je vois, il faut être plus prudent que je ne le suis. J'ai d'abord en informé à Gariel, alors. Évidemment, vous lui avez répondu que c'était hors de question. Mais je lui ai dit qu'il pouvait partir tout seul si ça lui chantait. L'ombre est forte ici. Essayez de le retenir plus tôt. Ne laissez pas... Il faut que sa fierté et son orgueil... L'ombre est forte, l'ombre est puissante dans le coin. Écoutez, merci Aldamar de m'en avoir parlé. On gardera un œil. Prévenez très très discrètement. De la même manière, on va essayer de prévenir discrètement Jorin et Narvi et Fredegar de garder un œil sur Baldak. De manière très, très discrète. Que ni Baldak, ni effectivement vos compatriotes de la forêt noire ne doutent de quoi que ce soit. Et essayez de le raisonner et de le ramener avec nous. Il ne faut absolument pas que son cœur ne lui propose... Je comprends ce que vous lui avez dit.
Mais là, justement, il faut le ramener vers nous, le ramener à la raison. Ne pas laisser l'orgueil le manger, le ronger. L'orgueil qu'il a très grand, d'ailleurs. Soit. Mais c'est très bien, merci, Aldemar. Vous avez bien agi. Répartissons nos étages. Je mettrai Narvi et Jorin au courant. Vous mettrez Frédégar au courant discrètement. Au moment des tours de garde, quand nous prendrons les tours de garde ce soir, quand tout le monde dormira, on va s'arranger pour qu'on puisse faire tourner le mot. Je le dirai à Narvi, qu'il dira à Jorin, et on gardera un œil sur Baldak. Baldak a précisé que il n'irait pas jusqu'à tuer les aînés, mais enfin... Oui, mais je ne veux pas qu'il parte. Vous voyez bien le... Bon, ça peut empirer. Plus nous serons soudés, mieux ce sera. Et mieux ce sera pour lui aussi. Je ne veux pas le perdre, lui, non plus. L'ombre, déjà trop de monde. Mais ce soir, au moment des tours de garde, nous arrangerons pour passer l'information entre Jorin, Narvi, Frédégar et nous. Voilà. Aldamar et Agariel, du coup, vous mettez les autres au courant. Je vais vous demander de faire un jet de discrétion. Sans désavantage. Ok. Oui, on fait ça. Enfin, moi, je le dis, par exemple, si j'ai le tour de garde, juste après, c'est Narvi qui me relève, donc je le dis à Narvi. C'est ce que j'imagine, c'est pour ça que je ne donne pas le désavantage. Ok, super. Alors là, c'est énorme, je vois pas de discrétion sur... dans mes compétences. Oh putain. Je suis que des génies ce soir. Ok. Alors, Aldamar, tu peux prévenir Frédégar de manière assez discrète. Agariel, toi, tu devais le faire à Narvi et Jorin, c'est ça ? Narvi, ouais, je pense, ouais. Je dis à Jorin, qui va le dire à Narvi, tu vois ? Technique du téléphone arabe. Ok. Enfin. Vous trois, du coup, Narvi, Agariel, Jorin, vous pouvez faire un jet de perspicacité. Jorin, pour toi, c'est une évidence. Même avec vos efforts pour être discret, c'était pas forcément tant ça qui comptait. Gudeliva n'est décidément pas stupide. Et elle se doute de ce que ces mesbas signifient. Elle ne te l'a pas dit, mais tu as croisé un regard à un moment qui fait que tu sais ce qu'il en est, elle sait ce qu'il en est. Je dis rien, mais je... Je jette un coup d'œil en direction de Baldak et j'essaie d'adresser à Gudeliva un regard de rassurant. Enfin, pour lui montrer que l'idée, c'est de lui montrer qu'on tient à l'œil. Le sourire perpétuel sur le visage de Gudeliva, pour le coup, a disparu. Mais elle hoche la tête dans ta direction. On va passer au deuxième jour. Je vais redemander à Aldamar de faire un jet de survie. Ok. Cette fois, tu le fais avec le désavantage, du coup. Ah, d'accord. C'est 11, alors. Ok. Parce que Baldak, du coup, n'a plus chassé avec toi, il s'est mis un petit peu dans son coin. Tu vas gagner un niveau d'épuisement. Et je vais demander aux 4 joueurs qui reste de faire un jet de sauvegarde de constitution. Ok, Frédégar, tu vas gagner un niveau d'épuisement toi aussi. Ouais, logique. C'est pas exactement les 3 petits déjeuners de Hobbit. Tu ressens la faim bien plus que les autres. Et l'épuisement, parce qu'effectivement vous progressez très très lentement sur cette berge de la rivière qui est boueuse, encombrée, avec des arbres aux formes un petit peu biscornues qui surgissent toujours au plus mauvais endroit.
Et au point en fait où au bout d'un moment, Agariel, tu réalises que au moins pour un temps, il va falloir quitter la berge. Vous arrivez dans un endroit où les arbres sont totalement enchevêtrés, forment une sorte de barrière inextricable à proximité de la berge. Agariel, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse. Donc, ah oui, sauvegarde de normal, sagesse. Ouais. Oui, avec des avantages ou... Non, normal. Normal. Oui. C'est les jets de caractéristiques qui sont affectés pour le moment. Pas les jets de sauvegarde, en fait. Ok. Tu vas gagner un point d'ombre. Oh putain, mais c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, j'ai une merde. Parce là. Que quand tu vois tout ça et que tu prends conscience qu'il va falloir quitter la berge, vous savez, tu as pu repérer Aldamar aussi quand il allait chasser. Il y a beaucoup de toiles d'araignées dans le coin. Vous savez que c'est un endroit dangereux, avec de nombreuses créatures hostiles. Mais il y a quelque chose de plus qui te concerne, toi, Agariel. Quand tu vois la forme que prend la végétation dans cet endroit, tu as le sentiment que c'est comme si la forêt elle-même s'en prenait peut-être plus particulièrement à toi, d'ailleurs, d'une certaine manière. La forêt vous a tendu un piège, comme une entité consciente, et une entité qui en a après toi. Aucun moyen de fuir. Ah non, non, de toute façon, c'était déjà vu la tempête qui nous a menés ici. Je vais demander à Jorin de faire un jet d'investigation. Tu remplis ton rôle d'éclaireur, comme d'habitude, ou pas? Oui, comme d'habitude. Ok, parce que là, pour le coup, on a vraiment besoin de tes services, puisqu'il faut s'éloigner de la berge. Donc je vais te demander un jet d'investigation. Bah, avec des avantages, du coup, je suis désolé. Ok. Tu progresses un petit peu en avant, mais toi aussi, tu ressens un petit peu la fatigue. T'es pas au mieux de tes capacités. Et alors que tu dégages progressivement un chemin que tes camarades peuvent emprunter, mais c'est un chemin où vous n'êtes pas seul. Et que vous atteignez une sorte de clairière, ce qui devait arriver, arrive. Youpi. Je vais faire apparaître la table d'initiative. Et vous allez pouvoir l'attirer pour tous vos personnages. Ok. Et les deux aînés vont se trouver coincés au milieu de notre groupe? Alors, là je vous ai mis dans cette position, concrètement vous voyez la surface qui est en clair. Vous pouvez vous répartir comme vous voulez ici avant que le combat commence. Ok. Tout le monde est bon là pour... Je crois Agariel a dû s'absenter un instant. Oui, effectivement, j'ai pas le jet d'Agariel. Déjà, avant qu'Agariel revienne, du coup, est-ce que vous placez vos pions différemment? Voilà, dans cette zone... ici, qui est plus clair. Je vous laisse les mettre où vous voulez tant que vous quittez pas cette zone. Moi, je me mets dos à Gudeliver, enfin, en tout cas à côté d'elle, pour essayer de la protéger si jamais. Alors, clairement, Gudeliver et peu ou prou Widurik aussi, ce sont des petits vieux, ils ont, en termes de jeu, pas de classe d'armure quasiment et très peu de points de vie, de toute évidence. Moi, je fais pareil et je me mets, je demande à Maswinta de reculer aussi. Fais un jet de persuasion, Jorin. Bon, bah, c'est... Ok, elle t'écoute.
Elle se mit à côté de Gideliver. Vous êtes tous placés ? Ouais. J'ai expliqué un truc à Gabriel, mais elle a pas compris. De quoi ? On peut se déplacer dans la partie claire, non nerveuse, d'accord. Ah non, pardon, ton point d'interrogation, c'était pour Narvi, désolé. Oui, c'était pour Narvi, ouais. On m'a compris. Je vais prendre en bas, là, et Narvi va... je vais prendre le sud, Narvi va prendre le nord. Enfin, voilà, c'est ce oui, qui a l'air de dessiner. Oui, après, il y en a beaucoup plus au sud qu'au nord, donc il y a des chances qu'on te rejoigne. Tu n'avais pas vu au sud ? Merci. Il y a une grande araignée... Faut dézoomer un peu, là. Et ah voir, oui, là, oh le con. On est à peine... enfin, il y en a partout, hein, là, de toute façon, c'est aussi simple que ça. Il y en a autant au nord après... qu'au sud... Oh non, si tu dézoomes complètement, en haut à gauche, il y a un gros machin. Ouais, ça y est, je vois. Elle est barrée, la grande araignée qui est en haut à gauche, elle est... Non, celles qui sont barrées, elles me servent juste pour calculer l'initiative. Elles sont pas présentes. D'accord. Ouais. Yeah. Pas encore. Ouais, non, il y en a partout. Il y en a partout. Vous êtes bon ? Yep. Bah écoute, ouais. Okay. On est à un contre. Vos vieilles habits, les intercopes, qui commencent par avancer. Ce sont les plus petites hein, de toutes ces araignées. Elles s'avancent assez lentement. Mais effectivement, au sud, vous avez une grande araignée qui est de suite plus imposante, qui progresse un petit peu dans votre direction. C'est un Narvi. Eh bien, lancez deux hachettes sur cette intercope-là, si... Attends, je vérifie que j'ai la place. A priori, oui. Oui, 30 pieds, normalement, c'est bon. Et tu me l'accordes. Okay. Ouais. Je pense pas. Si, juste. Ouh. 4. Ok. Tu peux pas faire une deuxième attaque de lancer de hachette, non, par contre. Non. C'est logique. Donc, c'est à Aldabar. Ah, c'est à moi. Alors, voyons. Aucune n'a attaqué encore. Ouais, je vais viser celle-ci. Laquelle, pardon ? Celle-ci. Ok. C'est raté, non, ça. C'est raté. Frais dégâts. Je vais viser cette intercope-là. Laquelle, pardon ? Celle-là ? Celle-là, d'accord, ok. Et j'enchaîne avec ma deuxième attaque, si tu me permets. Oui. Tu lui as fait bien mal. C'est à Amaswinta. Je vais lui faire faire un jet. Ok, elle fonce au combat. Oula, mais non. Attention. Fait deux attaques de lance, les deux touches. 4, 9, 13. C'est à Widurik. Widurik sait qu'il n'est pas de taille face à ses adversaires, il se met à côté de Gudeliva. Jorin, c'est à toi. Je vais rejoindre Amaswinta et je vais. Est-ce que je peux enlever là ou pas ? Oui, je pense. Hein. Oui, tu peux. Ok. Bon, moi, je vais essayer de... Ouais, ça change rien, en fait. Je vais essayer d'achever donc celle qu'elle a en talon. Ok. Pardon. Avec la sourde masse, tu la tueras automatiquement. C'est à Gudeliva, qui reste où elle est. À Gariel, c'est à toi.
Ok, alors je vais attaquer celle-ci. C'est considéré comme de l'ombre, je suppose. Je considère tout ça comme de l'ombre ou pas. Je. Oui. Je pense. Oui. Parce que bah, vu l'ambiance depuis le début. Oui, oui. Là, je, non, pense je me que... posais la question parce qu'il y a toujours ce truc un petit peu ambigu avec les araignées qui sont pas directement des serviteurs de ce rôle. Mais oui, ça relève de l'ombre. Ben, ça aurait été, je crois, dans une autre, dans un autre contexte. Avec la forêt qui nous en veut un peu moins. Oui, mais là, oui, tout à fait. Donc, voilà, mais là... Donc, du coup, bon, de toute façon, j'ai l'avantage sur la première attaque. Je vais donc attaquer cet Atercop avec avantage. Ouais. Ça touche et je fais 10. Du ça coup... Hop. Et... Ok, il y a 20 PV, en fait. Et deuxième attaque... Ça ne touche pas. Je l'ai pas vu apparaître. 12. Il a juste apparaître, donc non. C'est à Baldak. Baldak va se reculer un peu, mais il va tirer une flèche sur celle-là. Il lui fait pas grand-chose. C'est aux araignées chasseresses. Elles sont moins nombreuses, mais il y en a quelques-unes tout de même. Pour le moment, elle progresse lentement. Et on va être à un nouveau tour. Je vais demander à Narvi, Aldamar et Jorin de faire un jet d'énigme. Jorin, tu vas gagner un point d'ombre quand tu te rends compte que tu entends ces araignées parler entre elles. Pas le commun, tu sais que certaines araignées peuvent parler le commun, mais là elles échangent avec elles avec des sortes de cliquetis. Et tu es stupéfait de te rendre compte que tu comprends ce qu'elles disent. Et elles disent qu'elles doivent vous ramener à la mère de tous. Elles s'encouragent mutuellement, il faut les ramener à la mère de tous. C'est aux Atercop. Certaines peuvent se déplacer en bondissant, ce qui les fait aller de suite beaucoup plus vite. Je fais tous les déplacements avant de faire mes assauts. Ok. Alors, on en a d'abord une sur Jorin et une sur Amaswinta. Jorin, tu es touché, tu prends 9 points de dégâts. Et Amaswinta... Ouais, tu peux les diviser effectivement, et Amaswinta aussi est touché. Elle n'est pas forcément très solide. Ensuite, il y en a un sur Fredegar. Touche, touche. Tu prends 5, Frédégard. Bah, celle-là était au niveau de Baldak, je l'ai déplacée. Elle rate. Et en bas, nous en avons 2 sur Agariel. Alors, l'attaque de morsure rate, l'attaque de dard touche par contre. Donc, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution à Gariel. Ok, donc à plus 1, ce qui fait 22. Et je lui inflige retaliation, c'est-à-dire que... Alors, attends. Vas-y, vas-y. Déjà, il y avait le truc des 3 dégâts de poison, mais tu as ta résistance, je sais plus comment elle fonctionne. C'est ça, ça divise les dégâts par 2. Ok, donc tu prends seulement 1. Et là, tu peux... Tu peux riposter. Tac, et là, je riposte. Tu touches. 8. Okay. C'est à la grande araignée. Il ne fait que se déplacer ici. Attends, un instant.
Ok. Non, fais pas d'action particulière ce tour-ci. Narvi, c'est à toi. Je charge l'araignée qui est là et je tape. Ok. Oui. Oui. Donc, 20 en tout. Elle est encore vivante. À peine, mais encore vivante. Le bouclier, je peux? Oui. Non. Non, ça rate. C'est à Aldamar. Je vais viser l'araignée qui est devant Vildurik. Ok. Ouf. Oula. Tu fais les dégâts, s'il te plaît. La flèche s'est logée dans l'épaule de Vildurik. Tu vas gagner un point tournant. Oh bon sang. C'est un vrai dégât. Mais Aldamar n'est pas censé ne... Jamais... Il y a pas un truc avec son arc? Non, c'est qu'il a jamais le désavantage. D'accord. Mais là, il a raté, il a fait quand même un critique sur son attaque, ça compte comme un critique. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, si, le bout portant, c'est possible avec mon arc? Avec des avantages. Tu peux passer pour une attaque de corps à corps sans désavantage, par contre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, faut que je change d'arme. Enfin, je dis que je passe à l'épée. Et... Oui, mais tu peux. C'est, ok. Ça peut se faire. Alors, je vais l'attaquer à l'épée. Oui. Tu la tues. Est-ce que j'ai droit à une deuxième attaque? Est-ce que dans la foulée, je peux... courir contre... Allez. Oui, tu peux te déplacer et faire une deuxième attaque, mais elle sera à désavantage, par contre. Ouais, logique. Parce que là, je vais aller attaquer celle qui est devant Meldak. Ok. Oui. C'est à Amaswinta qui s'attaque à... Oui. Je vais faire aussi Song of Slaying aussi, donc j'y pense. Ok. Donc vous pouvez vous mettre la pastille pour vous en rappeler si jamais. C'est à Amaswinta qui va attaquer la Terre Cop à côté d'elle. Et qui a Song of Slaying elle aussi. Les alliés, effectivement. Même avec le D4, aucune des deux ne passera. Elle a totalement raté son coup. Elle s'est mise en danger. Oui, Durik. Oui, Durik va essayer d'attaquer celle-là. Avec son gourdin. Il rate. Jorin. Je peux pas m'avancer là sans prendre une attaque d'opportunité, je pense. Si tu restes en contact, si tu peux, il faut juste faire un jet d'acrobatie. Ah, des avantages. Ok, bon allez. Avec le désavantage, effectivement, ça passe pas. Donc tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Qui touche. Touche. Qui touche, ouais. Donc 5. Je vais... Je vais peut-être attendre. Non, je vais prendre. Je vais pas la réduire celle-là. Je vais attendre la fin du 4, je pense. Et du coup, je vais là et j'attaque celle-ci. Ouais. Oui. Et toujours vivante, à peine, mais toujours vivante. Gudeliva se place ici entre Widurik et Aldamar. Et attends, oui. Est-ce que je peux, après avoir attaqué, crier à... Ah, oui, oui, effectivement, tu peux utiliser le Sandafling. Oui. Yes. On va finir. Tu la tues. Ok, bah, je crie à Maswinta de rejoindre, de se mettre à l'abri aux côtés de... Enfin, vers les autres, vers le groupe. C'est un jet de persuasion. Aïe. Ok. Alors, non seulement elle ne t'écoute pas, mais elle tombe dans une rage folle.
Tu ne pourras plus tenter de la persuaser de faire autrement. Et c'est ça, Gariel. Ok, Majorine va devoir protéger Amaswinta. Eh bien, j'attaque celle-ci pour commencer. Laquelle, je vois pas. Pardon, excuse-moi, celle-ci, Bertrand. Ok. 23. Oui. 9. Toujours vivante. Oh là là. Tu as un D4 si tu veux. Oui. Ouais, je vais lancer le D4 pour la finir, bien vu. Ça ne suffit pas. Ça se joue à un cheveu, mais ça ne suffit pas. Tu peux faire une deuxième attaque, plus qu'une patte. Contre, sur la même. Bon. Elle est morte. Ok, là, elle est tuée. C'est à Baldak. Baldak, il va attaquer avec son épée. Non, c'est une hache qu'il a, je crois. La Terre-Cop devant lui. Il la tue. Il sait se battre quand même, le gazier. C'est aux araignées chasseresses. Alors, il y en a d'abord une sur Jory. Ça passe. Ok, alors, déjà tu prends 10 que tu peux diviser si tu n'avais pas utilisé ta réaction. Ce sont des dégâts perforants. Ok. Tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution. Qui est réussi. Donc pas d'effet supplémentaire. Il y en a une qui s'en prend ensuite à Asmasinta. Qui touche. Et elle te fait un jet de sauvegarde de constitution. Qu'elle réussit. Et ensuite, nous en avons seulement une sur Agariel. Pirate. Nouveau tour, c'est aux Atercop. Alors, il y a beaucoup de déplacements à faire. Ok, donc il y en a d'abord une sur Durin. Tu prends 5 Jorin. Il y en a ensuite 3 sur Narvi. Alors. La première. Ouais, la première passe. Donc 8 Narvi. Ensuite, il y en a 2 sur Fredegar. Alors je vais faire. Diversion si je peux. Oui, ça fait que tu as fait jouer le désavantage ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. J'ai jamais trop essayé cette caractéristique, donc du coup je sais pas trop comment elle fonctionne. Ah oui, il faut que tu jettes ton dé du protecteur, du coup. Ok. Qui doit être un dé 8, je crois. Ok. Pour le coup, ça va rien changer, tu vas être touché quand même. Alors, pas forcément parce qu'en fait. D'abord, la deuxième, j'ai mon bouclier, du coup, si j'ai mon épée, j'ai forcément le. Ah. Pour mon bouclier. Et donc, okay. Du coup, ma CA passe à de 16. Dans ce cas-là, ça suffit effectivement à faire la différence. Et ensuite, il y en a une sur Aldamar. Touche. Kaldamar, tu prends 9. Et il y en a une sur Agariel. Qui rate.
C'est à la grande araignée. Elle va se jeter sur Emma Swinter. Que son attaque de morsure qui touche, mais elle lui fait très très mal. Vous entendez Emma Swinter hurler. Narvi. Eh bien, est-ce que tu m'autorises à taper une fois sur la Terre-Cop en face de moi, puis à utiliser lueur de terreur, ou pas? Oui. Okay. Ah, quoique, non, c'est une action. Oui, donc c'est une action. Si tu... Ouais, donc tu peux pas faire d'attaque si tu fais cette action. Mais il peut faire bouclier. Oui, comme... Ouais, peut-être... Bah ouais, je sais pas. C'est une action bonus, le bouclier, effectivement. Oui, donc mais c'est dans les règles, au moins. Oui, mais il faut que je la fasse après. Pas forcément, c'est dans n'importe quel ordre. Peut-être commencer par là, alors, si tu m'y autorises. Oui. Coup de bouclier sur laquelle, alors? Celle qui est en face de moi. Celle-là. Ok. Ça touche pas, de toute façon. Non. Même si tu lances, tu non, as toujours... Il faudrait que je fasse 4 avec le D4. Ouais. Donc ça va si pas. Si tu fais donc, 4, vais... ça passerait. Ouais, mais... Bah, après, c'est toi qui vois, t'es pas obligé. Enfin, si tu l'utilises pas, il sera... Non. Non. Bon, tant pis. Je vais faire lueur de terreur quand même. Donc ça en effraie 3. Bah, les 3 les plus proches, j'imagine, celles qui sont sur toi, du coup. Bah, de toute façon, je peux pas choisir, je pense. Ok, donc ouais. C'est jet de sauvegarde de sagesse, difficulté 18. C'est ça. J'aurais bien aimé que ça touche la chasseresse, mais bon. Ok, elle aura toutes. Celle-là fait un critique, donc tu vas pouvoir lui faire une attaque d'opportunité. Ok. Qui touche? 11. Et donc elle doit s'éloigner, je crois. Ouais, comment? Et qu'est-ce que... Je peux rien faire de plus, de toute façon, j'ai pas... Si, tu peux te déplacer sur la grande araignée, tu peux te déplacer, tu peux... Ouais, mais il faut que je protège Vidurik, là, peut-être, non? Ouais, je sais pas si... Est-ce que tu m'autorises un jet de persuasion sur la grande araignée pour essayer de l'attirer vers moi, ou pas? Non. Non, je trouve ça redondant par rapport au truc que tu viens de faire avec ton ouais, arme, c'est donc vrai. Là je peux pas te le permettre dans le même tour. Donc je peux me déplacer vers elle, par oui, contre. Ça tu peux. Je vais faire ça, voilà. C'est Eldamar. Moi je me mets dos à dos avec Fredegar. Alors et si je... tu fais ça, tu vas te prendre une attaque d'opportunité, là. À moins de te désengager. Attends, j'étais engagé avec laquelle, là? Avec celle-là. Celle-ci? Oh, punaise. Ouais, d'accord. Ouais, mais... Si je l'attaque, après je peux pas me désengager non plus, quoi, donc bon. En plus, comme tu. T'as l'arc là, Adama? Oui, mais je peux switcher à l'épée, mais c'était pour te protéger avec Baldak et envoyer gardien. Si je suis contre vous, je peux le faire, quoi. C'est ça le truc. D'accord. Non, t'es bien placé là, Adama, enfin. Je trouve, enfin, vas-y, comme bah, je peux pas protéger Fredegar en tout cas. Bon. Non, mais c'est, pour l'instant ça va, je suis encore trop en difficulté. C'est sûrement les deux petits vieux qui faut protéger, je pense. Ok, ok. Bon, bah alors j'utilise mon épée sur celle-ci alors. Très bien. Ok. Tu touches. Et n'oublie pas que tu as un D4. Ah oui. Tu peux rajouter éventuellement un dégât si tu le souhaites. En plus, j'avais mis le... Voilà. Le cycle, merci. C'est à Fredegar. Ouais, je vais attaquer à l'épée et l'araignée à ma gauche. Faire ma deuxième attaque. Si, c'est, ouais, c'est là-dessus. Oui. Deuxième attaque. Non, ça rate.
c'est à Amaswinta. Amaswinta a pris très mal avec la grande araignée, donc elle va se retourner contre elle. Est-ce que la deuxième... Non. Ah, elle a Song of Flying aussi. Oui, donc elle va réussir la deuxième en fait. C'est à Widurik. Widurik qui va aider à Gariel. Et il ne rate son coup. C'est à Jorin. Bah moi de toute façon j'ai pas trop le choix donc je vais attaquer la grande araignée. Avec avantage, non? Ouais. Avantage de toute manière, oui. Oui avec avantage. Mais c'est pas non. Ah si parce qu'il y en a oui, ça quand tu as l'avantage. Ouais. Donc oui, ça passe. Putain, des dégâts quoi. Ah c'est peut-être mon champ du cygne. Je suis assez mal. Mais là, pour le coup, tu lui as fait très très mal. Je vais te donner l'inspiration. Oh. En fait, Jorin, tu fais des dégâts tout pourris avec ton épée normale, mais par contre, en sournoise, t'es horrible. Ah ouais, la sournoise... Non, mais la sournoise, elle... Non, mais là, j'ai fait particulièrement peu sur les dégâts normaux et particulièrement beaucoup sur la sournoise. D'accord. C'est poussé un peu moins opposé d'habitude. Oui, non, je suis très mal. Enfin, je suis très mal. Je suis à... remarque, il me reste 37 PV, mais bon. Je suis bien entouré, on va dire. C'est toi, Garia. Allez, je vais taper sur la Tercop qui est déjà entamée. Non. Pfff. 6. Non mais j'ai de merde ce soir, c'est terrifiant. C'est à Baldak. Baldak qui va aider Aldamar en attaquant la Turcop ici avec sa hache. Et c'est aux araignées chasseresses. Alors les déplacements d'abord, ici c'est bon. Ok, alors d'abord une sur Jorin. Qui touche, il me semble, oui. Donc 7 dégâts perforants et tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution, Jorin. Tu te mets une icône, tu es empoisonné jusqu'à ce que tu prennes un repos court, mais tu pourras retenter ce jet de sauvegarde à ton tour. Ensuite, il y en a une sur Amaswinta. Je vais utiliser ma réaction, pardon. Oui, ok. Celle sur... Ah non. Oui, c'est une chasseresse, j'ai pas fait le bon jet. Amaswinta est morte. Elle s'effondre d'un seul coup, elle a été prise en tenaille par deux très grosses araignées. Elle s'était lancée de manière beaucoup trop hardie au combat, et elle a été tuée. Il y en a une sur Frédégar. Ah non, bon, c'était pas nécessaire. Non, effectivement, ça ne passait pas. Et ensuite, il y en a une sur Widurik et une sur Agariel. Première sur Widurik rate, celle sur Agariel touche. Donc Agariel 8 et jet de sauvegarde de constitution. Alors donc 4, puisque résistance au poison, et... C'est des dégâts perforants, pas des dégâts de poison. Ah pardon, c'est pas des dégâts de poison? D'accord. Donc tu prends bien 8. Mais tu as réussi ta sauvegarde de constitution. Ouais, je vais retailer... c'était la chasseresse, c'est ça? Oui. Moi, bah, oui, tu peux faire une riposte. Oui, je vais faire une riposte, je vais rétribuer. Et ça loupe. Oui. C'est aux intercopes.
Non. Celle-là, il faut que je refasse des jets de sauvegarde. Alors, la première se remet, et elle va du coup attaquer Narvi. Les deux autres continuent de fuir. Et ensuite, il y a celle-là qu'il faut encore faire avancer. Ok. Donc, on en a d'abord une sur Narvi. Ça touche. Touche. Donc 9 dégâts, Narvi. Ok. Il y en a 2 sur Frédégar. La deuxième touche. Donc 5 Frédégar. Est-ce que je peux faire diversion cette fois? Oui, oui, effectivement, tu peux. Donc jeter un D8. Bah, si tu fais plus que 1, du coup, ça fait son effet. C'est bon. Yep. Donc effectivement, tu ne prends pas ces dégâts. Il y en a une sur Agariel. Qui touche. Donc 4 Agariel. C'est perforant là encore. Et 1, 2, 3, 4 sur Baldak. Je peux utiliser gardien pour Baldak. Je l'ai. Ouais, ok, bah effectivement, donc ça fait que la première attaque rate. Du coup, il n'y a que la dernière qui touche. 9. C'est à la grande araignée. La grande araignée va s'en prendre à Narvi. Ah. Je préfère. La première passe est inflige 13. Non, là encore, c'est du dégât perforant, c'est pas des dégâts de poison. C'est avec le dark à faire des dégâts de poison. Là, oui, je le linkais juste comme ça. Hein, je... Donc 13. Et c'est à toi, Narvi. Eh bien, tout sur la grande araignée. Ouais. 19, et le bouclier, du coup, aussi, si possible. Ah, peut-être pas. Si. Ah, donc ça 25, fait 25 en tout. Fait très très mal. Après c'est le coup de Jorin, elle a pris cher. C'est un Aldamar. Oui, Épée roide sur celle de droite. Oui. Tu la tues. Frais dégâts. Ok. Toujours à l'épée sur l'araignée gauche. Ouais. T'es fait. Pardon, excusez-moi. J'ai appuyé par réflexe sur le push to talk au très mauvais moment. Donc, tu touches. Pardon. Et tu la tues. Ok, est-ce que je peux dans ce cas-là attaquer... Avec des avantages. Ouais, bien sûr. Alors j'hésite entre... disons l'araignée chasseresse. Attends, j'ai peut-être une idée. Parce que je regarde si je peux pas me glisser sous elle. Oui, si. Est-ce que je peux me glisser sous la... Sous l'araignée chasseresse. C'est... Avec mon option small folk, c'est une action bonus. Bigger, toi tu es molle et elle est normale, donc oui, tu peux te glisser sous elle. Et donc du coup, mon attaque, c'est censé se faire avec avantage, alors peut-être que là, ça, vu que c'est la deuxième, je sais pas comment Ça va aussi, oui, si, mais du coup, ça va compenser, tu vas faire une attaque normale, quoi. D'accord. Oui. Oui, du Rick, qui est aux prises avec une araignée chasseresse, du coup. Aïe, aïe, aïe. Et qui rate son coup. C'est à Jorin. Bah, je continue à attaquer, donc, la grande araignée.
Attends. Oula, ça fait beaucoup d'attaques. La première passe, c'est bon. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as enclenché là comme capacité spéciale? Attaque stroboscopique. Waouh. C'est moins bien que tout à l'heure. C'est à Gudeliva qui est un petit peu agenouillé, d'arriver de tomber à genoux, épuisé et terrifié. Et c'est à Gabriel. Ok, ben toujours la même. Hein. Troisième round. Ah, enfin! Elle est morte. Mmh. Non? Si? C'est la Terre-Cop, du coup. Ouais, c'est la Terre-Cop. Oui, tu l'as tué. Ouais, plus le D10, tout ça. Enfin, non, c'est plus de 9. Ouais. C'était calculé. Et du coup, avec des avantages, je suppose, sur la seconde. Laquelle alors? Ben, celle qui est aux prises avec. Ok. Ouais, avec le vieux monsieur. Et ça ne passe pas. Non. C'est à Baldak. Baldak, il est dans une mauvaise posture. Il va prendre une action pour se désengager et se mettre ici. C'est aux araignées chasseresses. Ok. Fredegar, tu peux faire une attaque d'opportunité sur celle qui se déplace vers Aldamar. Ouais. Qui passe. Ok. Donc maintenant, il y en a une sur Jorin, une sur Norvi, une sur Aldamar. Ok. Bon. D'abord Jorin. Oula, merde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois rien. Oui, non, non, c'était de mon côté qu'il y avait un truc bizarre. Mais... ce sont les chasseresses. Alors d'abord sur Jorin. Touche. Donc 8 perforants et j'ai de sauvegarde de constitution. Divise par deux. Hein. Qui est réussi, donc tu prends juste les dégâts. Non, je divise par deux. Ok. Une sur Narvi. Avec avantage, je pense. Oui. Mais ça ne passe pas. Une sur Aldamar. Qui passe. Donc 9 perforants Aldamar et jet de sauvegarde de constitution. Qui est réussi. Donc tu prends que les dégâts. Et ensuite, il y en a une sur Widuric et une sur Agariel. Celle sur Widuric touche. Widuric, je peux faire gardien là aussi. J'étais en train de gérer mes. Non, t'es pas à côté là. Mes changements de PV. Donc, ah oui, c'est déplacé. Est empoisonné et ensuite il y en a une sur Agariel. Qui rate. Ouais, j'avais fait ça sur Aldamar, je crois. Ouais, ok. Nouveau tour et c'est aux Intercop. Donc d'abord celle-là. Celle-là continue de fuir, celle-là se reprend. Ah. Non, c'est le contraire en fait. Bon, ouais, tant pis. Comme tu veux. Alors. D'abord une sur Jorin. Jorin, tu prends 8, perforant. Une sur Narvi avec avantage. Avec avantage, ça passe. Donc 6 attends, sur Narvi. Je me souviens plus, on est sur un nouveau tour, Bertrand, ou pas? On vient de commencer un nouveau tour, oui. Okay, donc je...
Donc 6 sur Nervi, j'en étais là. Et il y en a... donc ça passe avec l'avantage, le 6. Oui. Il y en a 2 sur Frédégard. Aucune ne touche. Okay. Il y en a 2 sur Aldamar. La deuxième passe est inflige 7 à Aldamar. Et il en reste une sur Agariel avec avantage. Et qui passe. Et je vais riposter. Ouais, tu prends 8 et tu peux riposter. Oh putain. Non, c'est raté. C'est à la grande araignée qui va continuer à s'en prendre un Narvi. A-t-elle l'avantage ? Non. D'accord. Et elle rate ses deux attaques. C'est à toi du coup, Narvi. Eh bien, je vais mettre un coup, je vais essayer de la tuer. Ah, c'est raté là, non ? Oui, c'est raté. Un deuxième alors. Ah, oh, c'est pire que ça même là. Ouais. Pour le coup, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Donc elle fasse okay. Un truc plus rigolo. Allez. Non, ça va être une morsure normale. Non. Est-ce qu'il passe pas. Est-ce que tu m'autorises le bouclier ou pas ? Oui. Et est-ce que le sursaut d'activité, c'est trop tard ou je peux tenter ? C'est pas déjà une action bonus, le sursaut d'activité. Parce que si tu as utilisé le bouclier en action bonus... En plus de votre action normale. En plus d'une action bonus. Il me semble, attends, je te le remarque. Ah oui, non, ok, le sursaut d'activité passe, c'est bon, tu peux, ouais. Ok. Tout ça pour ça. Non, c'est raté. Excusez-moi, faut que je fasse un tout petit AFK. Je reviens dans un moment. Un tour beaucoup moins productif que le précédent pour moi. Je vais faire son code slaying là pour le prochain. Si ouais. Ça peut vous aider. Bah, clairement là, je passe à 2-3 points à chaque fois. Enfin bon, c'est rageant quoi. Ah, t'es encore à 2-3 points ? Parce que moi je vois pas vos points là en fait. Ah bah là c'est un peu le bazar là, c'est clairement un petit peu le bazar. Non, je suis pas à 2-3 points, je suis au niveau point de vie, mais je loupe tous mes jets depuis le début de la partie en fait. Je les loupe à rien à chaque fois quoi. Ouais. Non, moi ça va de mon côté, je suis content, j'arrive plutôt à faire des coups qui tapent, même à l'épée alors que d'habitude c'est. Je crois que Frédégard m'a tué plus que moi là. C'est sans problème. C'est impossible. Ouais, ça, là, sans problème. Quoi. Et pourtant, j'ai plus d'attaques que lui. J'ai fait plus d'attaques que lui, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Je suis supporté par l'inspiration. Non, mais Frédégard, il a 2 attaques alors qu'un. Oui, c'est vrai. Mais, enfin, en fait, 2 attaques tout court. Ouais, mais avec Ripoche, j'en ai porté. Tu vois, j'en porte quasiment une de plus par tour, là, dans ce genre de combat. Et de toute façon, là, je loupe tous mes jets depuis le début du. Bon, j'ai pas loupé un gros jet de survie il y a un moment, voilà, qui était important. Donc, ça, c'est cool. Mais. Hormis ça, là, sur ce combat, là, je touche une fois sur 4, à peu près. Enfin, il y a des périodes comme ça, c'est comme ça. C'est les dés, c'est la loi des dés. Ok, de retour. Passe donc à Aldamar. Alors, moi, je ne sais plus si c'est celle du haut ou si celle-ci qui m'attaque. Toutes, non, merci. Je crois que les 3 autour de toi t'ont attaqué là, oui. D'accord, bon donc ok. Et bah écoute, je vais viser celle du haut alors avec mon épée. Non. Bah évidemment. C'est à Frédégard. Bah justement, toujours à l'épée, je vais attaquer la reine chasseresse. Oui. Et deuxième attaque. Oui. Et je vais faire son Ghostling aussi. Ok. C'est à Widurik qui s'acharne avec son cordin. Hein.
qui touche cette fois. Plus qui a droit à un petit D4, parce que c'est un allié. Oui. Eh ben, en forme vieux. C'est pas duré. Bon, alors moi je prends le risque d'une attaque d'opportunité pour pouvoir aller, attaquer la, la grande araignée. J'ai d'acrobatie. Ah non, attends, je suis empoisonné, c'était quoi déjà le... Faut d'abord que je fasse Oui, tu fais d'abord un jet de sauvegarde de constitution. Ok, il est réussi de justesse, donc tu n'as plus les effets du poison. Tu peux faire ton attaque sur la grande araignée, du coup, je suppose. Ok. Avec son gosling, ça passe ou pas? Avec son gosling, peut-être. Ça passe, ça passe juste. Ok. Là, tu la tues obligatoirement. Je te laisse décrire ça, si tu veux. Je lui... Je fais par un habile mouvement, j'arrive à l'attaquer par en dessous et à lui transpercer le poitrail. Ok, merci. C'est à Gudeliva. Gudeliva, elle aussi, elle a une sorte de gourdin et elle va essayer sur l'araignée chasseresse qui est à côté d'elle. Hein. Et araignée chasseresse, elle rate. Elle a le D4. Avec le D4, ça passe. Donc elle lui fait 2 seulement. C'est une mamie tout de même. C'est un Gabriel. Pardon. oui. En fait, je pensais que Gudeliva avait peut-être attaque sournoise, justement. Enfin bon. Si elle avait touché, on l'aurait su. Je vais taper l'araignée chasserette qui est au contact avec notre ami Frédéric. Voilà. Ouais. Ça faisait longtemps, tiens. Donc, il faut que tu rajoutes ton D 8 ou 10, je sais plus ce que c'est. J'ai fait un D 10, mais alors attends. C'est un D 8. C'est un D 8, pardon, excuse-moi. Okay. Voilà. C'est bien. 19. C'est un des 10, c'est quand je tiens à 2. Okay. Enfin, 18, pardon, excuse-moi. Et du coup, bah pareil, deuxième attaque sur elle. Ouais. Qui touche. Touche et ça fait 6. Alors, putain, mais vraiment. C'était 4. Ah oui, plus. Tu l'as utilisé une fois là. Ah non, tu l'avais pas utilisé avant, exact. Donc 8. Ok. C'est à Baldac. Baldac qui va attaquer à la hache celle qui est ici. Ouh. Ok, avec la première il fait 9 plus 5, 14. C'était 4. Il ne parvient pas à le tuer, mais c'est pas passé loin. Il a fait de très jolis coups de hache là. C'est aux araignées chasseresses. A priori, elles sont en position. Ouais. Alors, une sur Jorin. Qui rate. Ouais. Il rate, oui. Une sur Narvi avec avantage. Bon. Une sur Aldamar. Alors Aldamar, tu prends 9 et tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution. Ah bah 9, je suis dans le coma alors. Je fais le jet de constitution quand même. Non, pour le coup c'est pas la peine. Okay. Je pense qu'il y a un problème avec tes PV, hein, Aldamar. Mais j'ai fait... Les 1D8. Mais j'ai fait un critique plus 1 et donc j'ai gagné que 2 PV. Oui, mais pas à chaque changement de niveau. Si, il a eu là, déjà merdé la plupart du temps. Mais c'est pour ça que tu devrais prendre la moyenne à ce stade, je crois. Il en reste une sur Widuric et une sur Agariel.
celle sur Widurik, oula, oui, elle touche. Widurik est très mal. Widurik. Il rate son jet de constitution. Ah, mais je l'avais déjà mis empoisonné en fait, ok. Ça, ça ne change rien. Et celle sur Agaria, elle avait raté. C'est aux Atherkop. Les autres sont en position, ok. Alors, 2 sur Jorin, la première à l'avantage. Avec les deux passes. Alors, les deux passes. Donc 15, tu peux diviser pour une des attaques. Donc je vais faire 7 plus 4, 11. Une sur Narvi avec avantage. Non. Une deux sur Fredegar. Les deux. Non, pas la deuxième. Si, oui, les deux touches. Là, tu peux utiliser diversion. Par contre, tu fais le décompte de tes du gardien. Hein. Oui, oui, bah là, c'est la dernière fois que je peux faire diversion. Sur laquelle des deux, du coup? La première, j'imagine. Oui. Donc, elle ne touchera pas, forcément. Par contre, tu prends les dégâts de la deuxième. Ouais. C'est-à-dire 9. Et ensuite, il y en a 2 sur Aldamar. Non, puisque Aldamar est dans le coma. Moi, je fais dodo. Donc en fait, Fredegar, tu vas t'en prendre une de plus. Ok. Place des places ici. Oui. Aïe, 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 aïe. Ça passe pas. 15, non, ça passe pas. Et du coup, ici, on en a une qui va s'en prendre à Gudeliva. Non. Et une qui va s'en prendre à Gariel. Sur Gudeliva, ça touche. Elle pousse un hurlement. Elle est très blessée. Et par contre, celle qui voulait s'attaquer à Agaria, elle a raté son coup. Tu peux faire. Tu pouvais déjà faire une riposte, j'imagine. Je peux faire une riposte quand elle me touche, en fait, uniquement. Ah oui, quand elle te touche. Donc là, tu peux faire une attaque d'opportunité. Là, je peux faire une attaque d'opportunité. Et qui rate ? Oui. La grande araignée n'est plus là. C'est un Arvi. Harvey. Oui. Ben moi, je crois que je vais risquer de me prendre deux attaques d'opportunité avec avantage et aller protéger Gudeliva dont j'ai entendu le cri. Ok. Alors je vais faire les deux attaques. Ouais. Donc il y en a une d'Atherkop, une d'araignée chasseresse, les deux avec avantage. Ouais. L'Atherkop. Touche. Tu prends 4. Ok. L'araignée chasseresse rate. Tu peux déplacer ton pion. Donc, je peux pas accéder à celle qui attaque Gudeliva directement, donc... Si. Ah bon? Je pense, oui. Mais elle est... Ah, c'est celle qui est au-dessus, là. Ah d'accord, dans ce cas-là, je vais faire ça, ouais. Ok. Je vais me mettre là. Et j'ai droit à mes deux attaques, oui. Oui. Sans désavantage, d'accord. Donc la première passe. Non. Et la deuxième, elle est... Oui. Ah, ouf. 14. Et tu l'as tué. Yes. Et ben voilà. Et tu vas gagner l'inspiration. Yes. Restez c'est près ça. De moi, mamie. Aldamar, j'ai de sauvegarde contre la mort. Tu coches deux échecs. C'est okay. T'es plus qu'à un jet de la mort là. Faut prendre oui, ça en compte. Je suis pas l'inspi. Alors quelqu'un pourrait la dépenser pour toi. C'est comme moi. Ça qu'on l'avait fait jusque là. Je vais donc, le faire. Ok, je viens de l'obtenir. Ok. Donc, dans ce cas-là, Aldamar, tu ne coches qu'un échec, mais il y en a quand même un. Ah, merci. Fredegar. Oui. J'attaque l'araignée là au-dessus de moi. Oui. Et je l'attaque à nouveau. Non. Et je pense que ça rate. C'est à Widurik. Widurik qui est blessé, mais il va continuer de s'en prendre à l'araignée chasseresse.
Il rate. C'est à Jorin. C'est à moi là ? Oui, oui. Donc, bah, je vais essayer d'achever la terre-côte blessée. Ouais. Tu touches, tu la tues forcément. Ok, et je me désengage, donc aussi, c'est quoi ces 25 pieds, c'est ça ? C'est à distance de déplacement, je crois que c'est à 30 pour toi. 30, ouais. Et bah, du coup, à ce moment-là, je rejoins les autres. Ok. C'est à Gudeliva. Gudeliva va attaquer la Tarkop à côté. C'est à Gariel. Allez, l'araignée chasseresse qui est entre sur Widurik, c'est ça? Oui. Non. Oui. Tu la tues. Enfin. C'est à Baldak. Baldak qui va s'attaquer à la Terre-Cope à côté de Gariel qui est blessé. Les deux touches. Il l'a tué. C'est aux araignées chasseresses. Alors. Ok. Il va y en avoir une sur Widurik, une sur Jorin et une sur Agariel. Widurik est touché. Et il est mort. Je vais vous demander à tous de faire un jet de sauvegarde contre la corruption. C'est Faldamar qui est dans le coma. Jorin, tu vas gagner 2 points d'or. Tu t'es déplacé pour lui venir en aide et il a été tué sous tes yeux. Il y en a ensuite. Alors celle sur toi. Attends, je les avais fait dans quel ordre? Widurik la première. Ensuite oui. Jorin, ça rate. Et la dernière c'est sur Agariel qui touche. Donc 8 je prends, c'est ça? Oui. Et je vais riposter. Hein. Et tu dois faire un jet de sauvegarde de constitution d'abord. Ah oui, c'est vrai. Toujours à plus 1. 15. C'est bon. Mais tu peux riposter. Oui. Oh putain, mais c'est pas possible quoi, je fais que 5. Je fais 5. Donc non, tu ne touches pas. Et c'est aux intercopes. Ok, donc il y en a 2 sur Narvi. Les deux rates. Il y en a 3 sur Fredegar. Ouais. Il y a 2 qui passent, je pense. Non, une seule. Ah, elles ont l'avantage. L'avantage, ouais. Mais du coup. Ouais, les deux premières passent. Aïe aïe aïe. Donc 9, Fredegar. Ouais. Et ensuite, il y en a une sur. J'avais dit qui? Une sur moi, je crois. Non, toi, je l'avais fait déjà. Ah, ok. C'est pas Goodeliva? Ouais, si, ça doit être ça. Non, j'avais dit à Gariel. Il me semble. Et allez. Oh. 5 à Gariel. Et c'est un Arvi. Alors, moi, je vais taper déjà un coup sur celle-là, et ensuite, je taperai la chasseresse si je la tue, mais je pense pas que je tue. Oui. Est-ce qu'on a le D4 ou pas? Non. Non. Ça la tue pas de toute façon. Non. Donc deuxième coup. Là tu la tues obligatoire. Et j'utiliserai mon bouclier pour protéger Gudeliva, imposer le désavantage au premier coup de la chasseresse si elle attaque.
Ok. Aldamar, j'ai de sauvegarde contre la mort. Tu coches un deuxième échec. Et c'est à frais d'égard. Ouais, alors tout à l'heure je me suis planté pour mes dés de vie. Pour mes points de vie, je veux dire. J'en ai soustrait 11 au lieu de 9. Donc du coup là, au lieu de passer à 17, mais en fait j'aurais dû passer de 37 à 28. J'ai chopé. Oui. Ce qui fait que là, du coup, j'arrive. Est-ce que je peux me désengager et aller me porter au secours de d'Aldamar pour lui prodiguer quelques soins? Ton jet pour le stabiliser sera à désavantage dans ce cas, et tu te prendras des attaques d'opportunité. Je t'en prends à 3. Ah putain. Sinon, tu le fais en 2 tours. Au prochain tour, ça va être compliqué. Ah oui, merde, tu joues après lui, en fait. Ouais. Turn order de merde. Ok. Bon. Ok, je continue à attaquer les araignées. Celles que j'ai déjà commencé à mocher. Ok. Oh. Tu la tues. Ok, dans ce cas-là, je tourne ma deuxième attaque vers celle qui est juste sous moi. Ok, avec des avantages. Ça passe pas. Non. C'est à Jorin. Je vais attaquer celle qui est... celle qui est là. Ok. Tu as l'avantage. Ça passe. Ok. C'est à Gudeliva. Ok. Gudeliva va essayer de stabiliser Aldamar, mais elle se prendra une attaque d'opportunité. À désavantage, du coup, non? Je peux pas sur une attaque d'opportunité. Oui, attends, je fais d'abord son. Enfin, oui, remarque. Je fais d'abord l'attaque d'opportunité, c'est plus logique. C'est celle de l'araignée chasseresse. Donc tu lui mets le désavantage avec le bouclier, c'est ça? Oui, si possible. Ouais, ça change rien. Ok, si ça va changer un truc, parce que du coup, elle va pouvoir se consacrer à Aldamar avec un peu plus d'application. Donc je lui ferai un jet normal et pas un jet avec désavantage. D'accord. Cool. Rappelez-moi sur vos fiches, il y a des jets de médecine ou de choses comme ça, je me rappelle plus si vous avez la compétence. La caractéristique qui va avec? Sagesse. Sagesse, ouais. C'est sagesse, ok. Donc elle va faire un jet de sagesse. Désolé, je suis. Et elle le réussit. Aldamar, tu vas revenir à. Merde. À un point de vie, voilà. Tu reviens à un point de vie. Waouh, merci. C'est un Gariel. Là, la vieille dame t'a sauvé, très clairement. Ah, c'est ma fulle super elle-même. Ah, Gariel, voilà, c'est à toi. Allez, je vais jouer au contact avec une araignée chasseresse ou la Terre-Cop. Je vais concentrer mes efforts sur la Terre-Cop qui est au-dessus de moi. Ok. Touche, pour une fois. Ouais. Et ça touche, oh là là, premier tour où ça touche 2 fois. Oh, je savoure, 15. C'est à Baldak. Baldak qui va se prendre la même Intercop. Voilà, t'as compris la manœuvre. Moins de mobs. Aïe. Et il rate complètement son coup, il va se prendre une attaque d'opportunité. Wouah. Qui le rate. C'est aux araignées chasseresses. Juste une toute petite parenthèse, je vois que ma protection, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Est-ce que tu m'y autorises ou pas une autre fois? Non. Non, c'est une réaction. Tu n'en as qu'une seule partout. Ah oui, d'accord, j'ai pas bien lu. Ok. Oui, effectue une réaction, pardon. Donc. Une sur Jorin, une sur Gudeliva, une sur Agariel, dans cet ordre.
Décidément, celle qui s'en prend à Gudeliva se prend un deuxième critique dans la gueule. Je vais te permettre à Narvi de faire une attaque d'opportunité sur elle. Et toutes les attaques ratent. Ok. Ici. C'est aux Atercops. Il n'y a plus beaucoup, mine de rien. Donc, une sur Narvi avec avantage. Ok. Qui rate. Deux sur Frédégar. Les deux passent et la première fait un critique. Donc, 11 et 5, tu prends 16, Frédégar. Ok, j'ai plus que 3 points de vie. Oh. Et l'Atercop en dessous va s'en prendre à Baldac. Et le rate. Narvi, c'est à toi. Alors moi je vais taper la chasseresse pour mon premier coup et pour le deuxième je me retournerai contre l'Atercop au-dessus de moi si je la tue. Ouais. Tu as avantage pour la chasseresse. Ah. Ok. 14. Tu la tues. Elle est morte, ok. Et deuxième désavantage pour l'Atercop. Ouais. Ça touche quand même. Oui. 7. Et puisque... Non, je vais continuer à protéger Gudeliva, si jamais quelqu'un s'attaque à elle. Ok, Aldamar. Là, je suis pas engagé avec l'Atercop qui est dessous moi, là. Bah si. Si, d'accord, ok. Bon, et eh ben alors, écoute, je continue à utiliser mon épée. Oui. Tu la tues. Est-ce que je peux me déplacer du coup ? C'est-à-dire si tu le fais, tu te prendras une attaque d'opportunité de celle qui est au-dessus de toi. Ah oui, ça va. Ok. Bon, je bouge pas alors. C'est à frais dégâts. Des gars qui se rappellent un peu tard de la propriété de son épée. Donc voilà, c'est mon action du tour. Ok, donc tout le monde gagne un D6 plus 3, sauf erreur, point de vie et l'inspiration. Tout à fait. Ok, donc vous gagnez tous un D6 plus 3, point de vie, sauf Frédégar, ça marche pas sur toi par contre. Et l'inspiration. Et après ça, ce sera Jory. Ok, ben je vais... Je vais donc prendre mon action bonus pour aller attaquer celle qui est en face de Dagariel. Ok, ok. Gudeliva. Gudeliva, elle a pris cher et elle a pris un gros risque pour aider Aldamar. Là, elle est épuisée, elle est à genoux. Dariel soulève un point intéressant justement par rapport au point de vie que oui. Les personnages récupèrent parce que donc c'est marqué dans le descriptif de. C'est les alliés. Ouais, tous les alliés. Ah oui, dans ce cas-là, ça va le faire effectivement. Donc il vous reste. Ouais, Baldac avait pris des dégâts aussi. Donc ça c'est pour Gudeliva. Et pareil pour Baldac. Et c'est à Gariel. À Gariel. Oui, je suis en train de taper. Je vais taper l'araignée chasseresse qui est devant moi. Ouais. Est-ce qu'il te faut un faveur, le protecteur, parce que moi, je vois pas tes PV. Non, moi t'inquiète, c'est bon, ok. Ouais, c'est, niveau PV, ça va. Par contre, je veux bien Fredo, éventuellement. Ouais, Fredo. Je pense que Frédégar, oui, peut être intéressé. La deuxième touche. Ouais. Et fait 6. Oh, putain, mais, et c'est pareil, et en dégâts, je fais 1.
c'est le quatrième ou le cinquième qui sort, c'est fabuleux. C'est à Baldac. Et à la hache, cette araignée chasseresse. Non, merde. Mauvaise fiche, pardon. C'est la première touche. Et c'est aux araignées chasseresses. Il ne reste plus que deux. Bah, une sur Aldamar, sur Baldac et l'autre sur Agariel. Celle sur Baldac rate, celle sur Agariel touche. Tout à fait. Donc 9 Agariel et jet de sauvegarde de constitution. Ok, constitution. Sauvegarde. 16. C'est bon, c'est réussi. Et je riposte. Ouais. Et ça touche. Yes. 12. Tu la tues. Yes. Oh. 7 aux intercop. Vont rester comme elles sont, donc une sur Narvi, deux sur Frédégar. Je peux faire gardien pour Narvi. Non, moi ça sert à rien. Ah bon? C'est passé de toute façon. Donc Narvi 9 et 2 sur Frédégar. La première passe. La première passe. Il te fait 6. Ok, je suis dans le coma. C'est un Narvi. Première attaque sur celle-là, et après j'essaierai d'atteindre celle-là si tu m'autorises. Ouais. Oui. Moi je la tuerai pas, donc deuxième attaque sur la même, je pense. 8. Ça la tue pas. Ah, y'a quelqu'un qui est parti. Aldebar, j'ai l'impression aussi. Plus 11, et est-ce que j'ai le D4 ou pas de son boss healing? Oh, tu l'as tué là, de toute façon. Ah, ouf. Mais tu n'avais pas le D4. Merde, c'est quoi que je viens de supprimer? C'était une chasseresse ou une intercop? C'était une intercop et je me déplace ici. Ouais, c'est une intercop, ouais, okay. Tu viens l'enlever. Et c'est Aldamar. Ah oui, mais du coup il a été déco. C'est toi, ouais. Aldamar, ouais. Qui a été déco. On va faire Frédégar, du coup, en attendant. C'est un jet de sauvegarde contre la mort, du coup. Ouais. Tu coches une réussite. Aldamar, tu es de nouveau parmi nous. Oui, j'ai pas compris ce qui s'est passé, hein, par contre. Bah, une déco de TeamSpeak, hein, ça arrive. Du coup, c'était à toi de jouer. Alors, attends, il s'est passé quoi? Narvi a attaqué quelqu'un. Non, j'ai tué un intercop, voilà. Ok, d'accord. Je suis pas engagé avec celle-ci là. Hein. Ah, je suis tranquille. Bah si, tu es engagé avec elle. Oh, elle est sur une case à côté, tu es engagé. Oui, d'accord. Pardon. À chaque fois, je me dis, elle m'a pas attaqué, machin. En fait, si. Écoute, merde. Épée roide, alors. C'est pas ce que je voulais faire. Tu touches. Cuteliva est à terre. À Gariel. Attends, il est pas, oh. Il est pas mon tour, là, quoi, elle est à terre? Hein, en fait, elle fait rien, elle est traumatisée. Non, elle est pas morte, elle est fatiguée. Ah, d'accord. Elle est fatiguée. Okay. Elle est pas sombre dans le corps. Elle est un peu trauma. Est-ce que si je vais là, j'ai l'avantage, vu que la Terre-Cop, là, sera prise entre trois tu feux quand même. Sur celle-là. Sur et si je vais là, je peux y aller aussi, j'ai l'avantage. Je vais peut-être aller finir la chasseresse. Je vais essayer Jorin de monter, il y a un Narvi déjà là-haut. Hop. Excusez, une petite question, t'aurais pas sauté mon tour là? J'ai l'impression que j'ai dû passer après. Ah si, oui, pardon. Si. Excuse-moi. Bah vas-y, je me remets à ma case. Vas-y.
Joue. Voilà, bah, je vais faire, c'est exactement ce que je voulais faire. Non, mais vas-y, fais-le alors. Voilà, moi je prends le haut alors. Voilà. Et j'attaque. Oui, ça m'a semblé bizarre d'ailleurs aussi. Bah oui, j'étais tout oui, oui, c'est avec Aldamar Deco, je me suis planté dans l'ordre, excusez-moi. Ah, tu touches. Non. Elle est toujours vivante. Je me désengage. Du coup, là, on va passer à Garga. Je vais aller m'occuper, pardon, excuse-moi. Je vais essayer de jouer une finir l'araignée du bas et je vais m'occuper de la Terre-Cop et avec avantage, donc parce qu'on est quand même. Non, Fred est garé dans le coma. Désolé. Enfin, on est 3 sur elle là quand même, quoi. On l'avait dit, on s'était fixé sur l'araignée. Ok, d'accord, donc, très bien. Donc, ok, super. Quand vous aviez 5 araignées autour de vous, j'aurais fait autrement et vous auriez pas été content. Oui, ok, d'accord, non, mais très bien vendu. Eh ben, tiens. Je vais te tomber. Voilà, 18. Ça la tue. Ça, le problème est réglé. Et du coup, j'attaque l'autre. Sur la deuxième attaque. Ah, des avantages, par contre. Ben voilà, 19 ou 19, donc je fais 7. À Baldac. Là, Baldac va continuer de s'en prendre à l'araignée chasseresse. La première touche. Il fait pas grand chose. Et c'est à l'araignée chasseresse, il ne reste plus que celle-là, du coup, bah, qui va continuer de s'en prendre à Baldac. C'est l'unique Atercop qui reste, qui va s'en prendre à elle. Cette fois, j'ai mis quart d'heure. Bref. Oui, mais ça ne change rien. Non, ça loupe pas. Et donc, ça me cagare. Et c'est ça. Narvi ? Oui, ah pardon, j'ai pas entendu. Oui, il y a un peu de... Ça lag pas mal chez nous. Ouais, il y a un peu de TeamSpeak, un peu du mal. Ah, j'ai pas de problème chez moi. Ouais, c'est bizarre le son, ouais. Moi, je vais m'avancer là. T'as un peu fait la boîte de robot, Bertrand. Je vais taper la Terre-Cop. Critique, échec critique. La deuxième touche, quand même, je te laisse faire les dégâts. 9. Tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Ok. Qui passe. 7. Et le bouclier ? Oui, tu peux. Pardon. Yeah. 6. Eh bien, tu la tues. Tu l'écrases sous ton bouclier. Ouais. C'est Aldamar. Et je vais pour stabiliser Frédégar. Ok, tu fais un jet de médecine avec plus 1. Ok, Frédégar, tu reviens à la pointille. Cool. Et c'est à toi d'ailleurs. Ça tombe bien. Là, si tu fais la moindre action, tu l'auras à des avantages quand même. Parce que je ne veux pas faire grand chose. Juste me contenter d'observer et de remercier Frédégar. De remercier Aldamar, je veux dire. Le mec qui se remercie lui-même à la troisième personne. C'est le narcissisme. Tu veux te lancer dans la politique, Frédégar? Non, Frédégar ne souhaite pas le faire. Remarque. C'est à Jorin, donc. Ou dans le cinéma. Ah, c'est quoi le cinéma? Frédégar, regarde. Oui, avantage.
Oula. Je pense que c'est bon, non, là. Oui, parce que tu vas ajouter deux fois ta sournoise, du coup. Donc tu l'élimines et tu peux décrire ça. Bah, je suis arrivé. Je suis arrivé par derrière. Comme un tourbillon. Et. Désolée, je suis fatiguée. Et. j'ai fait un grand moulinet avec mon épée qui l'a tranché en deux. Ok. Vous vous êtes débarrassé de toutes ces araignées. Ça a été un petit peu tendu et vous avez eu deux morts tout de même. Widuric et Amaswinta. Gudeliva a été blessé. C'est vraiment pas passé loin pour Aldamar. Clairement, Gudeliva t'a sauvé la vie. Mais pour autant que vous le sachiez, là, vous n'avez plus d'ennemis à proximité. Est-ce que je peux utiliser au coin du feu s'il y a un moyen d'un repos court pour... Vous pouvez faire un repos court. Oh oui. Et on s'occupe des corps de Veldurik et Amaswinta. Bien sûr. Mmh. Oui, totalement. Oui. Ouais. Jorin, si tu ne l'avais pas déjà, tu vas gagner l'inspiration. Je l'avais déjà deux fois, donc je vais la... Voilà, je l'ai toujours. Tu sais pas comment faire. Ouais, non, mais oui, c'est ça, j'économise trop là. Ouais, ça dépend. Bah, dès qu'il y a une occasion. Ah ouais, mais je pouvais pas deviner que j'allais la regagner deux fois de suite derrière. Ok. Donc vous enterrez Widuric et Amaswinta. Ouais. Gudeliva vous aide, même si elle est très faible. Baldak, non. Il se pose sur un rocher quelque part. Il a l'arc en main, il regarde les environs. Je lui fais un peu la leçon quand même à Baldak. Le remerciant d'une part pour son aide au combat, mais disons que bon, c'est un peu dommage pour ceux qui y ont participé, il faut que lui se joigne pas à l'hommage lors de la réanimation. On perd du temps. Et t'as guerrier qui aurait tort que ce qu'on perd en temps, on gagne en humanité. Vous étiez bien au chaud au milieu du groupe, là. Vous avez su trouver refuge pendant le combat. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Voilà, vous avez utilisé les autres. Et nous, on vous a protégé, parce qu'on est là pour ça. Ça tombe bien, hein. Je repars sans un mot. Mais je pense que si moi je suis assez remis de mes émotions, je vais pour lui mettre une gifle. Non, je te retiens. Je te retiens. Mais c'est un connard. Ah oui, bah écoute, on garde la tête de con, mais là il faut... J'essaie de... Il ne va pas nous aider. Non, mais je lui dis, écoutez, Adamar, ça vaut pas la peine. Il a pas compris la leçon. Pas encore. Un jour, il la comprendra, peut-être. C'est vrai que Frédégar et moi qui venions l'aider, ça servait à rien, oui. On lui a pas du tout... Oui. On s'est pas mis en danger pour lui, bien sûr. Un jour, peut-être, il apprendra. Pour l'instant, laissez-le s'engoncer. Enfin, en tout cas, laissez-le faire. La tête d'Aldamar, il en pense pas moins. Hein. À la prochaine occasion. Bah, c'est sûr qu'il est... Il est irritant, quoi. Il est très irritant. Mais bon, c'est comme ça. Il est déjà perdu pour l'ombre, lui, non ? Non. Non, il n'est pas perdu. Personne n'est perdu. On dirait certains de mes élèves, des fois. Ah oui. Effectivement, Narvi, vous avez raison. On dirait un... Même la vaillante... Même la vaillante... Amaswinta était plus mature que ce chasseur dans la force de l'âge.
Et elle est morte. Ah, ça c'est sûr. Oui, parce que vous ne l'avez pas aidée. Vous devriez avoir honte de vous appeler un homme des bois et vous considérer un membre de la communauté. Je l'ai dit. Okay. Après ce repos, vous allez pouvoir reprendre votre voyage. Et concrètement, on va pouvoir ellipser pour la suite du retour. Ça vous prend bien 5-6 jours. Mais vous finissez par arriver dans des régions marécageuses que vous pouvez aisément identifier comme celles qu'il y a au nord-est du lac des Eaux Noires. Ce trajet a été épuisant très clairement et vous avez été encore ralenti par Nivelina qui était vraiment dans un sale état. Baldak a continué de progresser avec vous sans dire un mot. Et je vais demander à Jorin de faire un jet de perception. Pardon. Voilà. Tu te souviens que j'ai avantage... Enfin, sur... ça dépend quoi, mais c'est toi qui décides. J'ai avantage pour certains jets de perception liés au... Bref, enfin, liés au... à la perception du danger, je crois. Ouais, ok. Non, là, ça s'applique pas, mais de toute façon, tu as réussi ton jet. Quand vous reconnaissez que vous êtes à proximité du lac des Eaux Noires, Jorin, tu vas remarquer deux choses. D'abord, un peu au nord, tu entrevois, mais très fugacement, une silhouette parfaitement hideuse. Plusieurs silhouettes, en fait, comme celle-ci. Des créatures que vous aviez peut-être croisées quand vous étiez dans les environs des champs d'Iris, je crois. Oh oui. Elles vous ont vu à distance et elles décampent. Vous n'avez pas de temps de réagir à ces créatures, elles ne vous ont pas attaqué, elles ont fui. Mais tu as vu plusieurs silhouettes. Et pas très loin, Jorin, tu vas voir autre chose. Là où la rivière sombre redevient effectivement la rivière sombre, tu vois une tête qui jaillit de l'eau. La tête d'une fille de la rivière, très clairement. Et sans un mot, elle se contente de pointer du doigt un tumulus qu'il y a juste à côté. Et elle disparaît. Ok, alors par contre, j'ai pas bien pigé par rapport... Les deux... la fille de la rivière, elle est où par rapport à la direction des créatures ? C'est pas la même direction, mais c'était un petit peu dans la même région que tu as vu tout ça en plusieurs fois. Bien sûr. Je commence par avertir mes compagnons pour les plusieurs créatures, il y en a plus que deux, je crois. Oui, les silhouettes que j'ai aperçues, en tout cas, en leur disant que ça ressemble effectivement à celles qu'on a vues dans les champs d'iris. Et je m'avance. C'est à quelle distance la fille de la rivière à peu près ? Alors la fille est assez loin, ce qui fait que là encore tu ne peux pas distinguer, c'est très précis. Mais tu la vois clairement par contre indiquer du doigt un tumulus juste à côté. Qu'est-ce qu'elles ont dit les araignées d'ailleurs ? Excuse-moi, je reviens dessus. Il faut les amener à la grand-mère. Alors toi tu ne l'avais pas entendu à Gariel, je crois. Oh ouais, mais Jorin. C'était Narvi, Jorin et Aldamar qui l'avaient entendu. Vous aviez entendu clairement qu'elle disait qu'il fallait qu'elle vous emmène devant la mère de tous. Ah oui, c'était au début du scénario, ça, oui. Juste au moment du combat avec les araignées, en fait. C'était avant. Que faites-vous ? Oui, et en fait, je leur dis aussi pour la fille de la rivière, je leur explique que donc j'en ai aperçu une qui m'a indiqué cette direction et que je suis sûr que je rajoute que je suis certain qu'elle voulait nous aider. Vous n'avez peut-être pas mis de montrer la source de nos ennuis, peut-être, et de quelques ennuis. Je regarde le tumulus et j'essaie de voir si il est hanté. Tu n'as pas de jet à faire, je crois, pour ça. C'est ça.
je te remets les caractéristiques. Ah non, pardon, excuse-moi, ce n'est pas ça. Voilà, c'est là, c'est gardien intrépide. Automatiquement, ok. Non, il n'y a pas de présence fantomatique dans les environs. Est-ce que je peux voir aux alentours s'il y a des objets qui auraient pu être utilisés par les villageois ou des guerriers que je connais qui auraient disparu? Va falloir se montrer plus précis. Là, qu'est-ce que tu cherches à voir exactement? Ah, en fait, c'est savoir s'il reste des traces du passage de personnes de mon village, un objet qui est tombé, une boucle, non, un ceinture, rien de... D'accord, rien du tout, ok. Mais enfin, ça dépend où tu vas. Tu vas dans le tumulus, du coup, ou tu... Ouais, moi, je propose... Non, j'entrais pas dans le tumulus, mais tu vois, je m'en approchais, voilà, je farfouillais autour, quoi, devant l'entrée, en fait. Devant l'entrée, vous ne voyez rien de spécial. Ok. Je propose d'inspecter le tumulus. Je demande à Gudeliva si elle connaît cet endroit, en fait. Est-ce que le tumulus a l'air récent? Non, c'est très vieux. Très ancien. Mais vous aviez pu voir qu'au nord-est du lac des Eaux Noires, il y en avait plusieurs comme ça. Vous en aviez déjà croisé lors d'un précédent périple quand vous avez suivi le sentier perdu. Il y en a plein en plus des tumulus ici. Ouais. Je sors justice et je propose à mes amis d'aller voir. Si les filles de la rivière nous l'indiquent, c'est qu'il faut y aller. Tu rentres à l'intérieur du tumulus, du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent avec toi? Ouais, je vais y aller. Bien y aller aussi. Avec Narvi et Agariel, oui. Je... Ouais, moi aussi, je pense. Du coup, il n'y a plus qu'une trace de la fille de la rivière, je suppose. Non. Je suppose que notre ami le chasseur ne veut pas rentrer avec nous. Il garde à sa distance, il fait le guet. Question. Il fait le P. Il faudrait que l'un d'entre nous reste avec Gudeliva, peut-être à l'extérieur. Quelqu'un. C'est ce que je vais faire. Très bien, merci beaucoup, Frédégard. Peut-être il vaut mieux Frédégard avec vous, moi dehors, je sais pas. Hein. Pourquoi? Ça me dérange pas de rester attendre dehors avec Gudeliva et puis de garder un œil aussi sur Baldac. Ok. Des fois que je doute qu'il se barre, mais bon, enfin voilà. Et je glisse à Frédégard, faites le cri du sanglier si vous avez un problème. Entendu, ma guerrière. Ça marche toujours. Voilà, il faut bien détendre un peu l'atmosphère aussi. Vous pénétrez dans le tumulus, donc. Tout à fait. C'est une chambre funéraire assez petite. Mais en plein milieu, quelque chose qui saute aux yeux de Jorin, très clairement. Il y a 5 pièces d'or. En plein milieu, clairement déposées là. Je m'avance. Lentement quand même, je me jette pas dessus, mais je m'avance. Est-ce qu'on Il n'y a peut absolument rien d'autre. De ne pas le faire ou c'est impossible? Que faites-vous? Est-ce qu'on peut lui hurler de ne pas le faire ou c'est impossible? Ah bah, oui, si, bien sûr, vous êtes avec lui. Ouais, n'y touchez pas, enfin, moi je dis à Jorin, vous en avez... Beaucoup des pièces d'or, je veux bien vous les donner, mais celle-ci. Pour l'instant, je vous déconseille d'y toucher. Essayons d'analyser un petit peu. J'essaie de voir avec peut-être conscience de l'ombre. Ou je sais pas. Mystère ou. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ou tradition, peut-être aussi, peut-être. Peut-être tradition. Tu peux faire un jet de mystère ou de tradition, oui. Ok. Mystère ou tradition? Alors attends, qu'est-ce que je vais prendre? Mystère, c'est... mystère mystérieux. C'est énigme. Énigme, voilà. Je pense que je vais prendre... C'est pareil. Eh ben, c'est loupé. On peut absolument rien déterminer par rapport à tout ça. Il n'y a rien d'autre, un sol en terre battue et 5 pièces d'or. Elle date de quand, d'ailleurs? Difficile.
difficile à dire. Elles sont probablement anciennes, mais maintenant, il n'y a pas de science exacte numismatique ou tout ça en terre du milieu. Elles ne sont pas recouvertes par de la terre, en fait. Elles sont même pas posées sur une pierre. Non, elles sont en plein milieu, comme ça. Donc ça a été posé récemment. Pas passé à côté sans les voir. Il n'y a pas de traces de pas que les nôtres. Est-ce que je peux tenter un jet ou déterminer s'il y a eu des hommes des bois rentrés ici ou est-ce que... Bah, vous voyez pas de traces. Rien du tout. Moi, je me... Oups, désolé. Je mets un genou à terre et j'en effleure une du doigt. Je me jette pas dessus, par contre. Hein. Je suis quand même très, très méfiant. C'est une pièce d'or. Elle brille, peut-être plus particulièrement à tes yeux. L'intérieur du tubulus est parfois un peu boueux, sale ou poussiéreux par endroits. Quelques toiles d'araignée, ça et là. Les pièces sont immaculées. On pourrait peut-être demander à... Demander à Gudeliva si elle sait quelque chose sur cet endroit. Mmh. Elle est dehors, Gudeliva. Ouais, elle est dehors, mais... Elle est pas loin. Elle nous aurait dit, je pense, si elle savait quelque chose. Bah, en tout cas, en apparence, je me range à votre opinion et je me relève et puis je dis, vous avez raison, c'est étrange, il nous faut en savoir plus. Je vais quand même te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, Jerry. Ok. Joli. Tu fais preuve d'une force de caractère suffisante pour ne pas succomber à tes pulsions. Est-ce que je peux déterminer si c'est un or ordinaire, entre guillemets, avec mes qualités de forgeron notamment? T'as des trucs de joaillier peut-être aussi, ou tu l'avais pas? Moi j'ai des outils de forgeron et d'ébéniste, pas de joaillier. Oh, okay. Non, tu peux rien déterminer de plus quant à ces pièces. D'accord. Ça a l'air d'être des pièces d'or, voilà. Alors, en méta, en fait, je précise que là pour le coup, Jorin, quand il disait ça, c'était en disant bon, bah je. Là, ce serait trop voyant si je m'emparais de ça tout de suite. Je reviendrai peut-être. Voilà, il y aura peut-être moyen de les récupérer plus tard. Mais cela dit, avec ce critique-là, je pense que, en le disant, je me suis peut-être rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être dangereux, quoi. Réellement. Ouais, ok. Tu peux, avec un résultat pareil, oui. Il n'y a aucune terre remuée, il y a juste ces pièces posées au sol et rien autour. Pas de galerie. Non, c'est un petit tumulus. Il y a une chambre funéraire unique. Par contre, par rapport à ce que tu parlais de traces, ce truc comme ça que je disais, c'est un peu boueux. Surtout que quand la rivière est sortie de son lit, elle est rentrée à l'intérieur. Ce qui rend la présence de ces pièces dans cet état d'autant plus improbable. En effet. Pour la magie, je sais pas, conscience de l'ombre, là, ça pourrait marcher ou pas? Pourquoi? Quoi donc? Enfin, ça dépend de... Parce que là, c'est clairement... Pour savoir si c'est... Parce que si c'est... S'il y a une présence, enfin... Alors, il n'y a rien de spectral ou fantomatique, ça. Magique, non, y a... Ok. Est-ce qu'il faut briser le cercle de ces 5 pièces ou pas? C'est marrant. Bah, si on le fait pas, on saura jamais. Vous voulez dire les saisir et les prendre dans notre main et voir ce qui se passe? Disons que ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer d'y toucher et se tenir prêt au combat. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, ça signifie que potentiellement des citoyens de Bourreau Noir vont tomber dans le piège, eux, et ils seront moins bien armés que nous. Ah oui, je vois. Alors des tumulus comme ça, il y en a plein apparemment. Mais je suis d'accord avec votre idée. Mais peut-être au lieu de saisir les pièces, on pourrait essayer de creuser au milieu. Je sais pas. Bon, sauf si c'est quelque chose de clairement magique. Après, c'est pas une question de magie, mais de tradition pour le coup. Creuser dans ce tumulus, ça serait de la profanation de sépulture, cher Aldamar. Ouais, c'est pas vraiment une bonne idée non plus. Moi, je proposerais bien d'écrouler l'entrée au minimum.
sans ce sont pas de la constellation. Oui, mais non, la fille de la rivière a pointé clairement ce tumulus. Ouais. Donc si ça se trouve, il y a vraiment quelque chose de qui a du sens pour nous, quoi, qui nous permettrait de comprendre ce qui se passe dans cette région, notamment peut-être. Je pense qu'il faut y toucher, moi. Si vous voulez que je me dévoue, je peux le faire, mais je pense qu'il faut y toucher. Au moins briser le cercle pour voir, quoi. Mais j'aurais ni à toucher, hein, je crois. Enfin, j'ai caressé une pièce. Oui, mais tu l'as pas bougé, tu l'as pas. Non, j'ai pas prise. On prend une pièce par personnage. Ben, 5 pièces, ça paraît un peu tentant, mais. Moi, je dirais bien que tout le monde ne devrait pas en prendre, justement, parce que si jamais ces pièces ont propriété magique et qu'on en a chacun une et qu'on est chacun paralysé, on est un peu dans la merde. Ouais, mais t'as vu les points d'ombre que certains d'entre nous ont Oui, c'est... bah après il faut pas. Là, je pense ça, que voilà. C'est totalement métal, Damar. Tu devrais pas envisager les choses comme ça. Okay. Moi, je raisonne pas en termes de sécurité là pour moi-même. Je raisonne en termes de sécurité pour Bourreau Noir. Ouais, pour voilà. Bourreau Noir, bien sûr. Bah écoutez, un peu d'accord avec Nervi en fait. En tant que homme des bois, à la limite, je veux bien saisir ces pièces. Voilà, si vous êtes d'accord. Si vous voulez, Aldamar. Et moi, je demande l'accord de. J'explique la situation. Je pense que il faut demander à l'ancien, hein, à l'ancienne de votre. Oui. Si on ne profane rien, qui a un sens dans la culture des hommes des bois, on le fait. Tout à fait. Donc. Vous avez raison. On demande à Gudelivar, on lui en explique la situation. Bah, Gudelivar ne sait pas bien quoi te répondre. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas plus que vous. Clairement, par rapport à la description que vous faites, elle suppose que ces pièces n'ont pas été là de toute éternité. Qu'est-ce qu'elles représentent? Pourquoi la fille de la rivière a indiqué ce tumulus? Elle n'en sait pas plus que vous. En fait, je crois que je commence à faire le rapport. Ah. Les pièces sont récentes. Elles ont été mises là. Alors, elles ont été posées récemment. Elles ont l'air d'être de vieilles pièces. Ouais, ce sont des vieilles pièces. Elles ont été posées récemment. Et c'est une offrande pour nous avoir fait dériver. C'est grâce à cette offrande que la tempête sur la rivière a été déclenchée. Et là, Gariel en est persuadé, quoi. Enfin, persuadé, c'est ce qu'elle pense. C'est une hypothèse, mais ça me semble logique. C'est ça qui a déclenché la crue de la rivière? Cette offrande. Oui, regardez, nous sommes au bras. Nous remontons de l'est. C'est là. C'est là, quelqu'un est venu ici. Et a demandé le déchaînement de puissance corruptrice. Oui, mais dans ce cas-là, il faut peut-être pas saisir la pièce d'or, alors. Bah, dans ce cas-là, ça change rien, en fait. Dans ce cas-là, ça change rien. Ah bon. Enfin, j'en sais rien, mais... Peut-être que dans ce cas-là, elles n'ont rien de spécial. Bon, ça m'étonnerait un peu, mais... En tout cas, il faut pas les laisser là. Je pense aussi. Bah, écoutez, Je me porte volontaire pour les saisir. Ou peut-être Jorine, vu que c'est une fille de la rivière qui a indiqué l'endroit. Je ne sais pas. Ou n'importe qui d'autre. Moi, Aldamar, c'était courageux de votre part. Mais je pense que oui, on peut les prendre et les mettre dans une bourse, dans un tissu un peu à part. Et peut-être ça nous permettra de remonter la piste de celui ou celle qui est venu les déposer ici. Alors, qui prend ces pièces dans ce cas? Moi, j'y touche pas. Hein. Je me méfie diablement de la magie. Moi aussi, mais je me dis peut-être ces pièces viennent de mon peuple. Mais peut-être que d'autres personnes ont des intérêts aussi là-dessus. Donc, voilà. J'attends d'entendre l'avis des autres. Mais en tout cas, moi, je suis volontaire. Voilà. Très bien, s'il faut le faire, si vraiment il n'y a personne, je le fais. Ça me semblerait plus logique, peut-être, que ce soit Aldamar, mais bon. Ah ouais, bah je suis choqué, hein. C'était au cas où, tu sais, Jorin voulait, parce que c'est la fille de la rivière qui a indiqué l'endroit. Mais Jorin, on lui fait pas trop confiance quand même. Hein.
Ouais, voilà, oui. C'est ouais, puis vu le jet de sagesse qu'il vient de faire, je pense qu'il a pas envie de toucher à ces pièces-là. C'est vrai. Effectivement, c'est un peu ça, en fait. Et moi, je tiens ma hache à deux mains. Je serre ma hache. Mais écoutez, je peux y aller alors. C'est ok. Enfin, à une main. C'est quoi le jet que je dois faire pour ça? Absolument aucun, il s'agit juste de ramasser des pièces. Hein. Hop là, j'y vais alors. On n'a pas une compétence ramassage de pièces? Ouais, c'est vrai ça. Non. C'est escamotage? Tu peux noter 5 pièces d'or de plus, Aldamar. Ah ça fera pas de mal ça à ma bourse. Ça, dis donc. Gardez-les, Aldamar. On en parlera à Maléoda, en fait. Chut. Il s'est rien passé? Non. Tu as ramassé des pièces. Comme les jeunes voyous de Bourreau Noir. J'ai fait pareil. Et rien ne m'est arrivé. Et donc, à eux non plus, rien n'est arrivé. Grand bien vous fasse. Voilà. Mais je... Mettez-la de côté. Mettez-la de côté pour les montrer à Maléoda. Oui, elles vont nous permettre de remonter la piste de qui les a posées là. Pour le coup, on peut ellipser, hein. Vous êtes juste à côté de Bourreau Noir, donc est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous parlez à Maléoda, qui bien sûr est ravie, elle était très inquiète de ce qui s'était produit, elle savait que sa grand-mère était sur le bateau disparu. Elle est soulagée que Gudeliva soit toujours vivante. Elle n'accorde aucun regard particulier à Baldak. Elle est très affligée du fait que Widurik et Amaswinta soient morts. Notamment Amaswinta qui... Vous pouvez faire un jet de perspicacité. Ok. Jorin, tu sens que Amaléoda culpabilise pour Amaswinta. Parce qu'elle avait conscience d'être un petit peu le modèle... qui l'inspirait, qui inspirait ses actions. Donc même si elle n'est pas directement responsable de la mort de la jeune guerrière, elle sait que, consciemment ou non, elle y a eu sa part. Je lui parle du courage dont elle a fait preuve dans ces derniers moments. Tu vas perdre un point de rembourse, Jorin. Agariel, tu peux faire le jet d'arrivée. Donc un D8, s'il te plaît. Ouais. Oh, on a eu bol. Ça aurait pu être un. On aurait pu gagner des points nombres. Ok, ça va pas avoir d'effet à ce stade du scénario. Pour le coup. Et... Ok. Vous pouvez parler de tout ça avec Amaléoda. Je sais pas comment vous lui présentez les choses. Et après, ce scénario s'achève là. Hein. C'était un intermède. Vous devez donc réfléchir à votre phase de communauté. Mais déjà, si vous voulez parler à Amaléoda, vous pouvez le faire. J'aimerais bien l'informer de la situation avec Baldak. Qui, même s'il est resté avec nous jusqu'à la fin, et même si c'était la fougue de la jeunesse, etc., je suis passé par là moi aussi. C'est un peu problématique tout de même. Aldamar, tu vas gagner 2 points d'ombre. Ah bah, super. Mais après, j'ai pas dit que Baldak était une mauvaise personne. J'ai juste dit que. Alors écoute, comme je vois les choses, là c'est du gain automatique, je pense pas que je peux le faire autrement. T'arrives au côté du tumulus, tu commences à te demander s'il fallait pas creuser dedans. T'avais des arguments un petit peu bizarres pour savoir qui le prenait ou ne prenait pas l'argent. Et la première chose que tu fais en débarquant à Maléoda, c'est dénoncer le mec d'à côté comme étant un gros connard qu'il faut punir. Ah non, j'ai pas dit que c'était un gros connard. Si, j'ai dit qu'il était jeune, impétueux, et que moi-même j'étais passé par là. Alors, le premier truc que t'as fait, c'est de le dénoncer. Même si Baldak est un salaud, je considère que là c'est 2 points d'ombre automatique. D'accord, très bien. J'assume. Mais par contre, on a protégé sa grand-mère et c'était extrêmement, extrêmement important vu l'héritage culturel et puis sa position d'aîné. Et que je suis
absolument dévasté que l'autre aîné ait dû mourir. Enfin, ait dû, soit mort. Voilà. Que les événements aient fait qu'il soit mort. Malgré nos efforts. Que dites-vous à Meléoda, donc ? Moi, je lui fais une description très, très factuelle. Je demande à Lamar de tout ce qui s'est passé. Je lui fais une description très, très factuelle, un peu comme un Gariel, c'est le fer. Et le fait habituellement, un peu comme si c'était un peu un supérieur hiérarchique, et elle lui expose ça. Elle lui dit, écoutez, voilà, j'ai une théorie, en tout cas, cette tempête n'était pas naturelle. Vraiment pas naturelle. Et quelqu'un, une puissance, nous en veut, et je pense que ces pièces-là ont été déposées en offrande. Je vais essayer de me renseigner de mon côté. Je reviendrai au printemps prochain, je l'espère, avec des informations. Je vais essayer de me renseigner, si ça ne vous dérange pas, je vais emprunter une de ces pièces à Aldamar. Et je vais essayer de me renseigner sur ce rituel de mon côté. Peut-être pourriez-vous en faire de même. Après, je voudrais vous poser deux questions. La première, est-ce que vous avez entendu parler de la mère de tous ? Et la deuxième est... tiens, autour de votre peuple, parce que nous avons vu... Ça fait plusieurs fois que nous croisons les filles de la rivière, et je voulais savoir, qu'est-ce que vous appelez le sang de la rivière ? Alors, ça fait beaucoup de choses à la fois. Je vais commencer par... Alors, pour vous mettre en situation, vous parlez pas à Maléoda en privé de ces choses-là. Elle a son conseil autour d'elle. Chez les hommes des bois, il n'y a pas de chef officiel. Donc, il y a toujours un conseil des anciens à côté pour des questions pareilles. À Maléoda, comme les membres de ce conseil, ne comprennent absolument pas pourquoi la rivière a connu cette crue subite. Pourquoi il y a de l'or dans ce tumulus, et il n'y en avait probablement pas il y a quelques jours. Pourquoi la fille de la rivière l'a montré, ils n'en savent rien. Donc ils se mettent à échafauder diverses hypothèses. Il y en a qui disent que peut-être les filles de la rivière ont provoqué cette crue parce qu'il y en a qui ont pillé les tumulus. D'autres disaient justement non, la fille de la rivière a montré le tumulus parce que c'est le tumulus qui est un problème et qui traduit une forme de corruption dans la région. Le rapport à cet or exactement, qu'est-ce que c'est ? Ça pourrait être que la fille de la rivière a déclenché la crue pour une quelconque raison et veut se racheter de ses méfaits en offrant de l'or aux gens. Il y a plein d'hypothèses comme ça qui sont échangées et aucun ne parvient à déterminer vraiment quelque chose de plus probable. Mais vous voyez que la conversation devient presque venimeuse parfois quand les gens en viennent à se disputer pour savoir ce que tout ça peut signifier. Amaléoda calme un petit peu le jeu, mais cette incertitude plane sur l'assemblée et elle sécrète quelque chose de douloureux, de compliqué. Ta question concernant la mère de tous, un des anciens t'explique que ce nom fait probablement... Enfin, c'est une vieille légende pour eux. Mais fait référence peut-être à Sarkin la Grasse, qui est une énorme araignée dont on dit qu'elle loge au cœur de la forêt noire, et qu'elle serait la mère de toutes les araignées. Du moins les araignées de la forêt noire. Ils n'en savent pas plus, ça relève de la légende. Mais le nom, cette expression, la mère de tous, cet ancien est formel, ça correspond à la description de cette araignée. Et il y avait une troisième question, sauf erreur, qui était... Oui, le sang de la rivière. Ok. Là aussi, c'est les anciens plutôt qu'Amaléoda elle-même qui répondent. On sait, même si c'est pas quelque chose qui est mis en avant, alors pas par honte ou quoi que ce soit, mais c'est un petit peu un petit secret local. On sait qu'il y a déjà eu des enfants qui sont nés qui sont les enfants de filles de la rivière, qui se sont mis en couple avec des hommes des bois. C'est arrivé. Et ce sont du coup des gens qui ont un rapport particulier à la rivière. Ce sont souvent de bons bateliers, de bons nageurs, ce genre de choses. Alors, c'est pas le genre d'identité qu'on clame sur les toits,
Mais comme les filles de la rivière ont toujours protégé les hommes des bois de la région, c'est les gens qui ont ce sang de la rivière, qui sont des enfants des filles de la rivière, sont plutôt estimés, envisagés d'un œil favorable. Et concrètement, ça va avoir une petite conséquence méta, alors qu'il va pas avoir d'effet maintenant. Mais si vous créez un nouveau personnage, à un moment, d'homme des bois, vous pourrez prendre un nouvel historique qui est Enfant de la rivière. D'accord. Je crois que j'ai répondu à toutes tes questions, Gabriel. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on passe aux entreprises de communauté. Juste, voilà, je demande l'autorisation d'emporter avec moi une pièce. Je la rendrai au printemps, je reviendrai au printemps avec et je la rendrai à la communauté. Et je veux bien déjà l'échanger contre une pièce à moi, si c'est la valeur pécuniaire qui leur importe. Attends un instant, il faut que je vérifie d'abord un petit truc. Excuse-moi. Ok, non. Le sang de la rivière, ce n'est pas forcément un historique pour un nouveau personnage, pardon. C'est une vertu des hommes des bois. Ce qui signifie que, par exemple, que sans avoir à créer de nouveaux personnages, Aldamar, si tu acquiers cette vertu, tu pourrais te révéler comme étant un enfant de la rivière. Tu le savais peut-être, ou pas. Mais tu ne l'avais pas révélé à personne, en tout cas, mais tu peux le faire. En acquérant une vertu, comme n'importe quelle vertu. Mais ça fait partie de l'historique, de la biographie de mon personnage. Mais ça a des effets de règles qui sont de type vertu. Ok. Passe aux entreprises de communauté. Je vois qu'il est un peu tard, mais il vaudrait mieux faire ça maintenant avant de... Ouais. Moi, je vais pas être très original. Hein. Moi non plus. Bah, je vous écoute. Bah, qui veut. Ouais, repos, faucon, perte de points d'ombre. Voilà, donc okay. J'ai de perspicacité. Oui. Ouf, 15, ça passe juste. Tu perds deux points d'ombre. Les autres. Merci. C'est à fond qu'on m'a donc. Moi j'aime mes points d'ombre, donc je vais pas faire ça. Je vais aller m'occuper de mon domaine à Erebor, si c'est possible. Oui. Donc voilà, je vais essayer de. Bah, il me semble. Je peux peut-être l'améliorer là, ce stade, je sais pas. Oui. Il est. Alors, attends, il faut que je refasse un petit AFK, excuse-moi. Je vous laisse réfléchir à vos entreprises, du coup, je reviens à toi après pour. D'accord, ouais, il faut que je retrouve la page. Ouais, pareil, je fais un petit AFK, à tout de suite. Yep, j'en profite également. Oui, il est de niveau 2. Ouais, c'est ça. Normalement, à la fin de chaque année, on est censé faire un jet d'entretien du domaine. Ok. Et donc là, normalement, on devrait le faire, je pense, puisqu'on est à l'automne de l'année suivante. Je sais pas. Et ensuite, on peut augmenter la valeur du domaine. Moi, ça voudrait dire que ça deviendrait un domaine respectable si j'y arrive. Tu vois ça où ? C'est dans les domaines en dessous des héritages culturels. Ok. Et au-dessus des armes armes et armes légendaires. Je suis de retour. Yep. Alors du coup, on se demandait s'il fallait pas qu'on fasse notre jet d'entretien des domaines aussi, du coup. Si, oui, tout à fait. Et un des 20, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou après la phase de communauté ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je me...
Sachant que c'est à la fin de l'année, normalement. Ah, Holding Upkeep. Ça fait partie de la phase de communauté. Donc c'est pas forcément une entreprise en elle-même, donc ouais, on va le faire maintenant. Bah, je le fais alors. C'est un des 20, hein. Ouais. Voilà. Du coup... Il faut ajouter ton bonus de Mon bonus de maîtrise 3. Ouais, donc 18. Donc c'est bon pour toi. D'accord. Et donc ça veut dire que ça m'a rapporté normalement. Et donc l'idée c'est de l'améliorer à plus 3 si c'est possible, je sais pas. Pour en faire un domaine respectable. Oui. Alors il faut dépenser une somme qui correspond. Donc a priori c'est 3 fois. Le niveau amélioré. Donc, ça serait pour j'étais le passer à 3. Ouais, okay. J'étais à 2, donc il faut que je dépense. 9 pièces d'or. 9 pièces d'or. Ok. Après. Et là, il passe à plus 3, ouais. Du coup, il faut faire les jets d'entretien du domaine aussi pour Aldamar et Fredegar, même si vous ne faites pas l'entreprise pour l'améliorer. Donc, Aldamar, peut-être commencer par toi. Alors, le jet d'entretien, ça consiste... D'ailleurs, attends, non, pour toi, c'est pas la peine, parce que je crois que il est au niveau minimal, je crois. Ah oui, je suis à 0. Ouais. Donc, pas de jet d'entretien à faire. Par contre, il faut le faire pour Frédégar. Ouais, sais comment déjà. Alors, il faut que tu jettes un des 20 et que tu y ajoutes ton bonus de maîtrise, qui doit être de 3. Et je dois pas aussi ajouter le niveau du domaine ? Si, oui, exact. Oui. Ça, c'est pour l'améliorer. Attends, ah oui, merde, je me confonds. Moi je confonds aussi. Attends. Oui, il faut ajouter effectivement le niveau du domaine. Ok, donc entretien très bon. Donc il produit son effet normal. D'accord. Ah oui, c'est avec un vin naturel que ça produit. Ouais. Donc concrètement, ça fait que tu gagnes 3 pièces d'or là. D'accord. Et moi j'en gagnais... 2 pièces d'or, pardon. Moi j'en gagnais 2 aussi. Oui, c'est ça. Alors on a fait l'entreprise de... d'Agariel, celle de Narvi aussi, donc puisque tu as amélioré le domaine, donc il reste les 3 autres. Alors, c'est ce que j'aimerais bien faire aussi, justement améliorer mon domaine si possible. Ok. Et après, je sais pas si j'aurai forcément les fonds pour le faire. Alors, ton domaine est niveau 1, sauf erreur. Tout à fait. Donc il faut le faire passer à 2, ça veut dire donc 6 pièces d'or. Je les sais. Ok, tu peux les dépenser. Et du coup, modifier votre domaine, Narvi et Fredegar, vous avez accès normalement. Ouais, je suis en train de le faire. Ok. Du coup, il passe niveau 2. C'est ça. Ok, merci. De mon côté, j'arrivais plus à savoir quelle entreprise il fallait pour retrouver un chien-loup. C'est la meilleure. Attends un instant. La maison de Béorn ou... Je pense que c'est retrouver une vertu culturelle en fait, parce que c'est dans les vertus. Ah, Aldamar. D'accord. Donc c'est une entreprise commune que tu peux effectuer là où bon te semble, mais dans ta communauté je trouve que c'est mieux, c'est plus sympa, mais bon. Je regarde plus précisément. Ouais, mais voilà, instant, justement, je trouvais plus le. J'aurais plus le paragraphe. Oui, du côté de la forêt noire, il y en a effectivement des élevages. Ouais, c'est ça, c'est une vertu culturelle. Ah oui, ok. Bon. Ok. Vu que le dressage après du chien correspond à des entreprises de communauté, effectivement. Je supposais qu'il y a une première entreprise de communauté qui consiste à acquérir un nouveau chien. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu pourras le draper. Mais du coup, ouais, là, tu...
Le temps que je trouve un chien-loup qui me correspond. Mais du coup, je peux rien faire pour mon personnage personnellement, c'est ça? Ben non, il faut, oui. Faut choisir. Ok, c'est bien ça. D'accord. Et qui reste-t-il? Jory. Ouais, alors moi, vu que je suis à l'endroit idéal pour faire ça et que en plus c'est les circonstances s'y prêtent, je vais faire Search for Answers des entreprises générales pour essayer d'en savoir un max, de rester à Bourg-les-Bois et d'en apprendre un maximum sur les fils de la rivière. Alors c'est Search for Answers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et je vais pas faire le jet d'intelligence qui est l'air optionnel, je vais faire directement le D20. Ok. Bon, rien. Ouais, tu as passé des jours et des nuits à discuter tout ça avec les anciens ici, parce que c'est pas trop les livres poussiéreux à Bourg-en-Noir. Mais tu as pas pu acquérir de connaissances très utiles ou davantage que tu savais vraiment. Peut-être quelques légendes par-ci par-là, des anecdotes anciennes et pas forcément très signifiantes, ce genre de choses. Ok, je crois qu'on a fait toutes les entreprises de communauté du coup. Ok. Bah dans ce cas, on peut arrêter l'enregistrement. Ouais, moi j'aurais voulu faire juste un dernier RP à Bourg-en-Noir, j'ai oublié. C'est avec notre ami l'archer Baldac, qui je suppose est plutôt isolé, donc je vais le voir à un moment où il est seul pour le remercier d'être venu avec nous, de s'être battu avec nous et pour lui dire que j'espère que l'ours arrivera un jour à se battre en loup. En attendant, je vous souhaite bonne route, Baldac. Ne laissez pas votre cœur sombrer totalement. Je vais te demander de faire un jet de charisme pur. Pas de compétencier, mais de charisme. Ouais, c'est pas ce qui me caractéristique. Qu'est-ce qui me caractérise le mieux? Ben voilà. A priori, il tient pas spécialement compte de ce que tu lui dis. J'avais besoin de le faire. Ni remerciement, ni sarcasme. Il se contente de s'en foutre. Très bien, j'ai juste besoin de le faire. D'ailleurs, moi, quand je l'ai soi-disant bâché, c'était pas pour le bâcher, hein. Je précise. C'était ouais, la logique de la communauté. Hein. La communauté était hyper en danger, et donc il semblait relevant for me. Voilà, alors, on pourra en discuter en débrief si vous voulez, mais moi je peux pas voir les choses comme ça. Je crois que dans ma situation, franchement, je... Bah, après, c'est Tolkien, hein. Voilà, je comprends. Y'a pas de soucis. Alors, en débrief, du coup. Eh bien, écoutez, en débrief, on va dire au revoir à YouTube. YouTube, ouais. Au revoir. Au revoir, YouTube. Passe une bonne journée, YouTube. Au revoir. Voilà, pour le débrief, faut venir sur Twitch, le vendredi soir à 21h.